cher. Voilà, comment je t'appelle? Jordan. Tu dis ton nom. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers abonnés de ma page Facebook JP Rémi Monnoy et vous qui êtes également sur les pages secours, Rémi Ngono Fan, Rémi Ngono les plus beaux proverbes africains et tout le bataillon des fourmis magnantes qui partagez sur vos plateformes, que ce soit sur les groupes WhatsApp, Messenger ou encore sur d'autres groupes, soyez les bienvenus et continuez à faire ce travail qui est celui d'intérêt public à ce que l'information soit consommée comme une denrée qui pourra faire de telle sorte que nous puissions connaître la vérité. À vous qui êtes aussi sur la chaîne YouTube J.Rémi Ngono, chaîne officielle de l'engagement, je vous salue et vous prie une fois de plus de continuer à partager et surtout à liker, à mettre juste des cœurs parce que vous êtes parfois nombreux. Mais on ne vous voit pas assez, bien sûr, que je vais commencer par m'excuser par rapport à cet énorme retard que j'ai accusé. Et puis, vous allez me pardonner parce que les appareils n'avaient pas assez d'énergie. Donc, peut-être ça peut un peu, voilà. Mais bon, on espère que ça va tenir le coup. Ceci étant donc, mesdames et messieurs, je vais d'abord vous inviter à pouvoir honorer, à pouvoir partager la douleur d'un frère, d'un petit frère, d'un fils, d'un ami ou d'un ennemi, selon que vous soyez, mais parce qu'il fait la fierté du Cameroun, parce qu'il a porté le maillot des grandes équipes et que c'est une personnalité. Beaucoup ont réussi aussi à se démarquer par rapport à lui. Il n'est pas mort, mais quand on perd un père ou une mère, on a beaucoup de douleur. C'est pour cela que je voudrais d'abord adresser toutes mes condoléances à Samuel Eto'o, à toute la famille Eto'o, pour le départ de leur père qui a mis assez de temps à la morgue, David Eto'o, et qui peut repartir, retrouver ses ancêtres en se disant qu'il a fait une excellente émission, parce que les grands hommes, c'est aussi là ceux qui font bavarder. Qu'on soit d'accord avec eux, qu'on les aime, qu'on les déteste, leur nom reste dans l'histoire et celui de Samuel Eto'o est déjà resté dans l'histoire. Alors, je ne vais pas faire comme un certain ministre qui a demandé une minute de silence. Je vais juste vous dire de partager juste cet instant d'émotion, surtout pour ce dernier voyage, d'autant plus que nous tous, nous prendrons ce chemin. Personne ne restera, même ceux qui tuent les autres, même ceux qui se croient puissants, eh bien, nous tous, eh bien, nous avons une vie qui n'est qu'un voyage. Et de toutes les façons, on ne connaît ni le port de départ, ni le port d'arrivée, parce que personne ne vous dira ce qui se passe dans le ventre, et personne ne vous dira exactement ce qui se passe soit en enfer, soit au paradis. Donc nous sommes de passage sur terre, et ça pourrait faire taire parfois nos égos surdimensionnés parce qu'on se croit éternel et parce qu'on se croit très fort. Mais, eh bien, Walotine le disait, tu n'emporteras rien. Mais alors, rien. Et quelle que soit ta force, c'est toujours ce petit verre
qui finiront par t'avaler. Mesdames et messieurs, on se lance donc pour l'avant-goût des dossiers noirs du samedi soir où je suis justement en noir pour la circonstance parce que mon pays va mal, même s'il y a un peu de lumière ailleurs, même s'il y a un peu d'espoir ailleurs, mais le désespoir, c'est ce qu'on voit chaque jour au Cameroun. Avant vous des dossiers noirs de samedi soir, installons-nous. Il n'y a pas de sport mineur, de sport majeur ou de sport réservé. Déclaration de celui qui s'est autoproclamé premier sportif camerounais, mais qui, en réalité, ne faisait que du vélo. Raison pour laquelle, d'ailleurs, son épouse a préféré plutôt parfois un peu sponsoriser, parrainer la course du vélo, qui malheureusement, elle-même aussi, quand on voit la Fédération de cyclisme, eh bien, ne se porte pas bien. Ce sport-là, lui aussi connaît les mêmes déboires que le football, que le handball, que le volleyball, que le volleyball. Ça dépend de comment est-ce que vous voulez prononcer. D'autres sports qui sont si nombreux et dont on ignore, puisque d'ailleurs, ces fédérations sont totalement dans l'oubli. Mais s'il y a un sport où on investit moins d'argent, où on récolte beaucoup de résultats, beaucoup de fruits, c'est bien le handball. Ce sont des femmes courageuses qui donnent de leur sang, de leur sueur, et qui peuvent se battre ayant soif, ayant faim pour la patrie, et qui souvent ont honoré le Cameroun en étant souvent classé deuxième. Les handballeuses camerounaises sont des héroïnes qui, comme nos mères, qui portaient des hôtes sur le dos, un fardeau que malheureusement personne, même quand elles rentrent du champ avec la récolte, ne vient les aider à décharger ne serait-ce que ce fardeau-là. Comme des orphelines, elles se battent. Et puis, elles ne sont jamais reçues dans des salons cossus. Elles ne sont jamais payées à leur juste valeur. Qu'importe, elles continuent à se battre depuis des années. Alors que le football, sport roi, qui attire l'attention de Paul Biya et de tout son gouvernement, ce football ne rapporte presque rien depuis un certain temps, à part ce coup d'exploit, voire de hasard, qui est arrivé en 2017. Mais le handball, lui, continue à tenir tête haute. Les femmes continuent à venir avec des médailles. Mais malheureusement, le seul petit accompagnement qu'elles demandent, personne pour s'occuper d'elle. Que de sacrifices consentis. Elles étaient au Ghana, aux Jeux africains. Elles ont abandonné leur famille. Elles ont fait un stage bloqué. Et à la fin des comptes, on leur dit, tout est bloqué. Vous ne pouvez même pas voyager pour aller défendre les couleurs du Cameroun en Hongrie. L'explication donnée, c'est le défaut de visa. Défaut de visa
où, selon les explications de la Fédération camerounaise de handball, toutes les conditions ont été réunies pour qu'elle puisse aller en Hongrie, se qualifier et aller aux Jeux Olympiques, allumer la flamme, pas seulement du RDPC, mais la flamme olympique, la flamme des Jeux, la flamme qui fait briller le Cameroun. Négligence ou tout simplement du mépris. Alors que la compétition devait commencer, commence le 11 avril, voilà que les dirigeants camerounais de la Fédération camerounaise de handball se présentent au niveau de l'ambassade d'Allemagne, puisque la Hongrie n'ayant de représentation qu'au Nigeria. Et puis ils reviennent pour annoncer solennellement que bon, les visas ont été refusés parce que c'était un jour férié. Pourtant, nous avons tout fait pour être là à temps et pour pouvoir aller disputer cette compétition. Bravo, disait-il au ministre de la au ministre des Sports. Bravo au ministre des Finances. Bravo au ministre des Relations Extérieures qui ont tout fait, mais c'est seulement vraiment la malchance qui a trahi les Camerounaises. Oui, c'est seulement l'ironie du sort et surtout ce mauvais férié qui est tombé comme une sorte d'extraterrestre du ciel, une grosse pierre sur leur tête, boum! C'est ça qui a fait qu'ils n'obtiennent pas de visa. Je vais essayer d'abord de lire le communiqué avec vous par rapport à cette situation et par rapport aux explications qui nous ont été fournies par les grands dignitaires du handball camerounais qui, comme d'habitude, ne vont jamais, mais alors jamais, se remettre en question. J'ai lu ce communiqué qui est signé le 10 avril pour une compétition qui commence le 11 avril. C'est-à-dire, même s'il y avait les visas, les joueuses camerounaises allaient arriver le jour de la compétition. Vous vous rappelez de Lyon, qui à une certaine période aussi en Égypte, était arrivé pendant que la compétition avait déjà commencé. Ce n'est donc pas un fait de hasard, c'est un fait d'inorganisation. La Fédération camerounaise de handball, FECAHAN, a le regret de confirmer la non-participation de l'équipe nationale de handball du Cameroun au tournoi qualificatif des Jeux Olympiques Paris 2024 à Debrecen en Hongrie. Cette décision a été prise malgré tous les efforts déployés par l'État du Cameroun et la FECAHAN pour assurer une participation honorable de notre sélection. La FECAHAN avait initialement introduit une demande de rendez-vous auprès du consulat d'Allemagne chargé de traiter les formalités de visa. Cependant, face à l'absence de réaction de cette chancellerie, nous avons sollicité l'intervention de la Fédération internationale de handball IHF et le président de la Confédération africaine de handball, CAHB. Grâce à ces démarches, un rendez-vous nous a été accordé pour lundi dernier,
Nous y avons répondu, mais malheureusement, la délégation a été conduite du consulat sans même examiner nos dossiers, sous le prétexte que nous ne disposons pas d'attestation d'assurance alors que le porteur était à l'extérieur pour les mettre à notre disposition. Nous avons alors fait appel à l'intervention de l'État qui a réussi à obtenir un autre rendez-vous. Cependant, le temps perdu rendait difficile à notre équipe d'arriver à temps sur le lieu de la compétition. Ce qui a conduit à notre retrait difficile. Ce qui a conduit à notre retrait au détriment de la Grande-Bretagne. Nous soulignons que cette situation regrettable intervient alors que le ministère des Sports et de l'Éducation physique avait pris toutes les dispositions pour assurer une bonne participation de notre équipe. Validation de notre participation, le budget nécessaire avait été validé dans les délais et une lettre de recommandation auprès de la chancellerie mise à notre disposition par le ministre des Sports et de l'Éducation physique. Nous tenons à remercier le gouvernement, l'IHF et la CHB pour leur contribution et leur soutien dans nos efforts pour résoudre nos difficultés. Le président de la FECAHAN, Abba Oumaté. Mesdames et messieurs, trêve de flagornerie. Ce monsieur qui signe ce courrier, monsieur Abba Oumaté, il est le beau-frère du ministre des Sports, Mwele Kambi. Il défend donc ici Mwele Kambi. Ce Abba Oumaté a été propulsé à la tête de la FECAHAN, imposé par le ministère des Sports par Mwele Kambi. Et aujourd'hui, il nous dit que Mwele Kambi, son beau-frère, a pris toutes les dispositions pour que les filles aillent dans de bonnes conditions et qu'il a même tout payé. C'est le même monsieur qui raconte partout aux filles qu'elles n'ont jamais, que l'État du Cameroun n'a jamais versé un centime pour leur prime. Comment donc il peut, suite à ce scandale, subitement changer de langue? La première chose qu'il faut savoir, c'est que le voyage de la Hongrie n'arrive pas aujourd'hui. C'est depuis fort longtemps, puisque l'État du Cameroun, la fédération, le ministère du sport savait très bien que le Cameroun va se rendre en Hongrie. Il faut savoir que pour se rendre en Hongrie, le Cameroun a d'abord eu à compétir, à faire une CAN. Pendant cette CAN, eh bien, le Cameroun est sorti deuxième, battu par les Palancas Negras à Dakar, au Sénégal. Les Lions
du handball, se sont donc classées deuxième à Dakar alors qu'elles n'avaient même pas à manger. Et rien du tout à mettre sous la dent. Nous sommes en 2022. Elles sont parties du Cameroun. Rien du tout. Même pas un centime dans leur poche. Elles sont arrivées au Sénégal. Elles se sont mises à jouer. Toutes les autres délégations, toutes les autres équipes avaient non seulement des primes, mais un encadrement adéquat. Elles ont failli ne même pas jouer la demi-finale. Mais par patriotisme, elles ont accepté jouer, se sacrifier. Et quand elles se qualifient pour la finale, elles voient devant elles les Congolaises qui, elles étaient éliminées, recevoir chacune 2 millions de francs CFA. Je dis bien 2 millions de francs CFA. Mouelle Kombi appelle son beau-frère à aller draguer des femmes, ces femmes-là, ces filles-là. Et monsieur Abba Oumaté, président de la Fédération de handball du Cameroun, arrive devant les filles, leur dit, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Le gouvernement camerounais a décidé de vous payer les primes à hauteur de 350 000 francs. Applaudissez, 350 000 francs. Et puis il dit, les 350 000 francs, c'est divisé par 16 joueuses. 16 joueuses doivent se partager 350 000 francs. Elles croisent d'abord les bras. Après, il dit, ce n'est pas tout. Ce n'est pas seulement à vous. L'encadrement technique également doit bénéficier de la même prime. 350 000 francs. Hein? Au partage, le président de la Fédération camerounaise de football dit donc que le gouvernement camerounais a donné à chaque lion indomptable comme prime pour cette finale et pour toute la compétition 21 875 francs CFA. Écoutez-moi bien, ce n'est pas le SMIC. 21 875 francs CFA pour aller remporter la CAN. Voilà la prime qu'on a eu à promettre aux joueuses camerounaises. Aux encadreurs, on leur dit, vous également dansez. Vous êtes de merveilleuses coachs et de merveilleuses personnes. Chacune d'entre vous aura 17 000 francs CFA. Voilà les primes qu'on a eu à promettre donc au Lyon. Il n'y a pas de sport majeur, de sport mineur, ni de sport réservé. Ça, c'est pour le bien. Qui l'a dit? Les Lyons rentrent. Après avoir remporté la demi-finale, joue la finale, rentre au Cameroun. Même pas un centime, même pas ha! Je vous fais comprendre comment les combines n'ont pas effectué le déplacement. Elles arrivent à Yaoundé. Personne ne les reçoit à l'aéroport. Elles vont bloquer encore là à Yaoundé, attendant ne serait-ce que l'argent pour regagner leur domicile. Elles cherchent à rencontrer Mouelle Kombi. Mouelle Kombi dit, moi, je suis pris. Je suis
musicienne, celle-là, l'influenceuse, là, je dois aller ouvrir machin ou le salon de coiffure. J'ai un rendez-vous avec ceci et cela. Personne du gouvernement n'a reçu ces filles héroïnes pendant que les Congolaises étaient reçues par le Premier ministre à l'aéroport. Par le ministre des Sports qui les accompagnait. Mais pour le Cameroun, moi les Kambi n'avaient pas de temps. Et il n'y avait pas d'argent. Maintenant, les filles doivent se rendre à Paris. Les primes ne sont pas payées. Le même apport m'a été dit aux filles. Je vais chercher à sortir l'argent de mes poches parce que je travaille à Total. Hein? Ils travaillent à Douala. La réglementation, la loi exige que si vous êtes président de la fédération de handball ou même de football, excusez-moi, que vous résidiez à Yaoundé. Il dit qu'il va donc prendre. Il prend ça en sa charge. Maintenant, il dit que c'est le gouvernement, que le gouvernement a tout payé. Soit le gouvernement a tout payé, et Abba Omadé est un bandit qui vole. Les billets pour voyager ont été pris à crédit. Pour partir disputer une Coupe du Monde. La Coupe du Monde se tient donc en Suède. Les Camerounaises viennent en stage en France, respectivement à Rennes et Cameroun. Mais les Camerounaises vont se rendre compte qu'il n'y a pas d'encadrement, qu'il n'y a rien. Résultat, elle décide d'aller se chercher. Et elle s'enfuit, deux d'entre elles, avant même le début de la compétition. On est obligé d'improviser. Les filles sont obligées de se serrer les coudes. Et à la fin, elles perdent les deux premiers matchs et gagnent le troisième match contre le Paraguay. Le Cameroun devient donc la première équipe à se qualifier avec une victoire, malgré le fait qu'il n'y a pas d'encadrement, qu'elles n'ont pas d'argent, qu'elles n'ont pas touché leur prime. Elles se sont sacrifiées. Lorsque vous voyez ce communiqué, posez-vous la question. Depuis un an, vous êtes au courant que vous devez venir jouer. Mais vous ne prenez pas le temps de demander tout ce qu'il faut et même d'avoir le visa bien avant. Vous faites semblant de vouloir partir, demander des visas, et en même temps, vous n'avez même pas d'assurance. Tout le monde connaît que pour voyager, il faut une assurance. Comment une équipe nationale peut voyager sans assurance? Ils disent que l'assureur était à l'extérieur. L'assureur était à l'extérieur, donc en ce temps-là, tu montes dans l'avion sans assurance. N'est-ce pas là l'incompétence? À quoi sert donc le ministère des Relations extérieures? À quoi tout ça? Un gouvernement, un ministère des Sports sert. À quoi sert une fédération? Cela était simple.
Si c'était le premier incident, mais n'oubliez pas que les lions eurent vent. Les lions eurent vent, ont raté toute leur compétition internationale. Et en mars 2024, elles ont déclaré forfait. Les lions eurent vent de handball. Qu'est-ce qu'on a dit? On a tout simplement dit, il n'y a pas d'argent. Et puisque c'est le président du conseil du comité national sportif olympique qui devait, dit-on, payer, eh bien, elles ont préféré déclarer forfait. Forfait? Aucun autre pays africain en dehors du Tchad n'a connu des forfaits comme le Cameroun. Aucun. Le président du comité national sportif olympique du Cameroun est un colonel. Talbamala. Il est l'ami intime de Moïse Kambi. Comment il peut dire que des filles qui se qualifient à des compétitions internationales ne puissent pas voyager à cause de manque de logistique, l'argent des billets d'avion ou d'hébergement. Mais il y a un ministère des Sports, non? On voit comment on les combine, se pavanent partout, à la FECAFOOT, à ceci et cela, ils négocient des contrats. Là, il n'a pas d'argent. Ils n'ont pas 10 millions. Ils n'ont pas 1000 francs CFA pour donner. Même de l'eau, ils n'en ont pas. Ils ne donnent pas. Derrière, c'est forfait. Il y a une autre réalité que je vais vous évoquer beaucoup plus tard. Mais avant d'y arriver, je veux vous faire écouter une femme qui vous parle de la réalité du football, pas du football, mais des autres sports camerounais qui sont abandonnés en friche par Moïse Kambi depuis qu'il est arrivé. Pour que vous compreniez que ce ministre est d'une malhonnêteté, d'une incompétence, d'une ingérence à nul autre pareil, mais sauf que il n'y a pas de résultat. Regardez, depuis que Moïse Kambi est là, les scandales se sont multipliés. Et ces scandales, c'est ceux qui ne sont pas en train de vous dire. Ils sont en train de vous les cacher. Parce qu'en 2021, il y a eu un gros scandale. En 2023, il y a un gros scandale. Et en ce moment même, il y a un véritable scandale que l'État du Cameroun est en train de cacher. Mais avant cela, je vais vous faire écouter, parce qu'il ne faut pas qu'on dise que nous n'aimons pas Moïse Kambi. Il faut bien que d'autres personnes neutres ou qui connaissent le milieu du sport puissent aussi parler et puissent vous éclairer. Attendez. Je vais voir. Voilà. Attendez un instant, je n'ai pas la bonne. Et comme ça, vous allez comprendre. C'est un instant. Oui, oui, oui.
là, là, là. Oui, c'est ça. C'est bon. On va mettre un peu de... Parce que là, écoutez cette femme. Au volleyball, on dit que quand le passeur vous fait une aussi belle passe, le spike met la balle dans les 3 mètres. Il se met dans les 3 mètres. Parce que ce thème-là rejoint totalement ce qui se passe dans l'Afrique à voler, et le maire le disait. Et je profite de cette occasion pour justement vous dire que, là, c'est une fois de plus, le ministre a montré ce qu'il est en train de faire dans le milieu du sport camerounais, c'est-à-dire le désordre. Le désordre. Parce que, vous ne pouvez pas me dire qu'un ministre peut être opportuniste sur le cas où on en a. Il faut utiliser les mots. Monsieur Mamadou, à l'école, cela nous a dit utiliser les mots. Il vaut mieux utiliser le bon mot. Que la baïance la comprenne. Que le pousseur comprenne. Que tout le monde comprenne. Que c'est l'opportunisme. Et quand on est opportuniste, on n'est pas honnête. Il faut dire les choses comme ça. Parce que les thèmes que vous allez mettre sur les... que vous mettez généralement sur vos plateaux, Rosalie, ce sont des thèmes où vous battez pour les valeurs morales. Et je crois que vraiment, on devrait même vous décorer. On devrait vous décorer, oui, parce qu'il faut... vous êtes toujours travaillé à l'assainissement de la moralité d'un pays. Et ce que nous sommes en train de vivre là pour le cas où Nana rejoint un problème de valeur morale. Pourquoi je le dis? Quand je parle d'opportuniste, quand est-ce que ce courrier sort? Tout le Cameroun sait qu'Eto a perdu son père il y a 4 jours. C'est-à-dire qu'émotionnellement, le lion d'Eto, on ne pouvait pas lui sortir ce genre de lettre maintenant, qu'il aurait déjà même écrit. Mais vous comprenez? Occupe-toi de son père, occupe-toi de ton père, fils. Occupe-toi, ça, nous allons nous occuper des autres. Quand Eto perd son père, est-ce que vous mesurez ce que ça fait? Comme exactement maintenant. Nous sommes rendus du Qatar quand? Le problème s'est passé quand le ministre a eu toute la latitude d'écrire à Onana même. Parce que lui, peut-être Onana lui a écrit et lui il écrit Onana. Il s'écrive depuis qu'on nous a chassés du Qatar. Mais il n'a pas sorti une lettre. C'est-à-dire qu'il a attendu le moment opportun pour dire maintenant je vais balancer ça. Pour montrer aux gens que c'est moi qui ramène donc Onana parce que le football a des problèmes. C'est le moment où je dois poignarder ce garçon. Parce qu'il a... Moi, j'avais dit à Eto, ces gens-là, il ne faut pas s'asseoir sur la même table eux. Si tu vas à la fête de la Panthère, mon fils, assois-toi devant, à côté de la porte. Parce que quand la nourriture va finir dans la maison, que la Panthère a tout mangé, elle va te manger. Elle va te manger. La fête de la Panthère, on ne s'assoit pas dans le salon. On s'assoit à côté de la porte, un pied même dehors, prêt à partir. Voilà ce que tu es en train de vivre. C'est ce que Eto est en train de vivre. Parce que on ne dit pas que le ministre Eto a reçu un coup. Le ministre lui dit condoléances. Non. Le ministre court que c'est le bon moment. Je peux écrire pour ça. Comme le Cameroun a des problèmes, comme les gens disent enlever Eto, son, comme les résultats ne tombent pas, moi je ramène alors comme trophée de guerre au Nana. Avec tout ce qu'il a, les casseroles de Maguille. Maguille est là. Depuis le 19 janvier que Maguille devait reprendre le chantier, Maguille n'a pas repris. Là-bas, il ne regarde plus. Ouais, Maguille. Il dit le corps, voilà. Congolais bégay, ce n'est pas son problème. Il ne regarde pas. C'est-à-dire, les gens croient qu'ils sont les inoptiseurs de la République. Parce que quand qu'ils disent inoptiseurs, c'est de lui, quelqu'un a ses casseroles. Ils ne nous rendent pas compte sur ses casseroles. Il va encore porter un tambour qui va même faire le bruit maintenant plus qu'on l'aime. Parce que si on voulait même oublier ses propres problèmes, on va poser ses propres problèmes sur la table parce qu'il en a. Et moi, je suis ici souvent, je ris souvent. Voilà un ministre qui était ministre de la Culture. Écoutez, il n'a jamais porté le tissu, attaché le pain autour de lui et le chapeau avec les plumes. Mais il est devenu ministre des Sports, il marche avec... J'aime bien la tradition, vous savez. Mais nous savons aussi comment tout ce qu'on met sur les plumes et les chapeaux. Franchement, non, mais Rosalie, vous m'avez fait une passe en or ce matin. Vraiment, tout ce que Dieu fait. Pour ce matin. Pour ce matin, et je vais se matcher. Je vais d'abord faire des services flottants. Je vais faire des services volants. Je vais se matcher et puis non, je vais réceptionner en même temps. Tu es bien. C'est ça le volleyball. Parce que, vous voyez, on va dans le volet. Moi, les commis a gâté même le volleyball. C'est pire au volet. Je vous dis pire. Le ministère des Sports fait pire même que ce qu'il fait pour le cas de Nana. Qu'est-ce qui se passe au volleyball?
De même, là, pourquoi il y a deux fédérations? Deux fédérations. Du ministre des Sports et du président du comité olympique camerounais, M. Karkaba, les deux. Je le dis en audiovision. Au volleyball, il y a une fédération qui est là depuis 10 ans. Qui a fait ses preuves? Un bureau, quoi. Un bureau qui est là. Non, il y a une fédération. C'est la fédération reconnue. Et le bureau exécutif est là depuis 10 ans. Voilà. Et qui a fait ses preuves? Nous avons eu les lauriers, tout le monde. Aujourd'hui, quand le volleyball passe à la télé, tout le monde s'arrête. La CRTV elle-même, elle fait le passé en discontinu les matchs de volleyball. C'est clair. Mais on ne donne plus la parole au président de la FECAVOLLEY aujourd'hui à Brun parce que le ministre et le président du comité olympique ont mis le feu rouge là-bas que le président à Brun ne passe pas. Qu'est-ce qui se passe au volleyball? J'espère qu'il y a encore un suivant. Ce n'est donc pas seulement écho. De la présidente de l'Académie. Elle a été réélue en novembre dernier, la 2022. Et comme l'objectif était par tous les moyens à enlever Abouem, parce qu'à sa première élection, Abouem ne l'avait pas élue, elle a fait abonner, on devait refaire les élections cette année en 2023. Et le bureau exécutif organise des élections pour c'est que le... C'est les textes. Oui, d'après les textes. Mmh. Et en plus, les textes de la FECAVOLLEY ont été revus et homologués par le ministère. Depuis 2018, ils n'ont rien contesté. Le 23, il y a une réunion. Et le ministre écrit à la FECAVOLLEY pour dire que si la réunion n'est pas dans les bureaux du ministère, je n'envoie pas. Les représentants. Exactement ce qu'il avait pour la FECAVOLLEY. Le 23 était un samedi, un vendredi, et le 27 était, je crois, le lundi, avec un férié. La FECAVOLLEY n'a jamais reçu d'alerte. Ils se retrouvent le 27 en Balmayo. Ils se disent, mais les représentants sont pas là. Et puis finalement, vous allez, parce que je vais vous griffer cette affaire. Oui. C'est important pour que vous compreniez sur le cas Onana. Oui. À qui on a affaire. Et que vraiment le chef de l'État nous écoute bien. Et c'est comme ça que le 27, tout le bureau, c'est-à-dire que tous les statutaires demandent, écrivent au ministre officiellement que ben, on fait comment si vous n'avez pas de représentant. Ils annulent cette réunion du 27 qui devait avoir lieu à Balmayo. Rosalie Le Trois, le ministre écrit au président de la fédération qui est encore actif à Bouin pour lui dire que non, il écrit je crois, le 27 pour dire si vous ne faites pas une assemblée rapidement, moi je convoque les deux tiers. En sachant que dans les deux tiers, c'est le camp de Bello, de l'autre président, Mayam, Timba, Yeyende, tous ceux qui ont combattu à Bonn. Exactement, comme avec les lions. Tous ceux qui ont combattu, il le dit avec eux. Le ministre demande aux deux tiers, ce qu'il appelle ces deux tiers, de convoquer une réunion. Rosalie, monsieur le docteur Matip, convoque la réunion, le 3. Il va à la sous-préfecture demander l'autorisation, le 3. Il va à la gendarmerie, tout c'est le 3. Et le ministre répond le 3 dans un pays. Un ministre répond tout en une journée. Vraiment, je ne sais pas pourquoi nous sommes encore au temps. Il répond au courrier qui n'a pas encore reçu. Et non, il a déjà tout répondu. Et finalement, il demande. Ils disent finalement que c'est le 4 janvier que l'Assemblée là. Qui va homologuer les textes de l'élection du président doit se faire. Ça veut dire que le lendemain, ils sont donc à la réunion du 4, d'après leur lettre, qu'ils étaient tous réunis avec les membres qu'il fallait. Mais dans ces membres-là, quand on dit que le voleur, on l'arrête toujours, il y a des gens qui viennent de Kousséri. Depuis quand dans ce Cameroun, on peut vous appeler le 3 dans la nuit, vous arrivez à Yaoundé à 10 heures. Vous arrivez à Yaoundé jusqu'à 10 heures de réunion et dites que vous étiez là. Franchement, quand moi je veux bien que nous de l'école sous l'arbre on fasse des choses comme ça, mais pas les longs crayons. Pas les longs crayons. Les délais même. Mais maintenant, le problème qui tombe, c'est que les délais, les statuts de la FECAVOLLEY disent que pour convoquer une assemblée, même si c'est pour préparer les élections, ça doit faire 8 jours. Et ne peut pas convoquer le 3. Et les gens sont sortis, descendus du super, vous appelez ça la supersonique, le lendemain, pour faire. Vous voyez juste où ça va. Ça veut dire que dès le 3 ou 4, déjà, tout a été faussé. Mais seulement le ministre ne s'arrête pas là. Il homologue donc cette réunion du 4 pour dire maintenant, il faut rapidement une élection du président. Ouais. Et c'est comme ça qu'il convoque une réunion de 16 ans. La SUBB, qui dans son... Excusez-moi.
Ça va bien. Nous étions sur le handball. Et là, vous suivez les plaintes qui viennent du volleyball. Le football ne marche pas. Et aujourd'hui, c'est beaucoup plus inquiétant parce que depuis le règne de Moïse Kambi, on a l'impression que ce qu'il avait fait au niveau du ministère de la Culture, c'est ça qu'il est en train de répéter au ministère du Sport. Le désordre et surtout son implication à détruire partout où il y avait déjà des fondations. Mais surtout aussi, Moïse Kambi a un réseau de bandits et d'hommes qui ne sont là que pour faire du faux. Concernant les visas d'Elion, comme il aime créer toujours des situations à la dernière minute, il savait pertinemment qu'il y a un business qui se joue avec son beau-frère au niveau de la fédération. Ce business, c'est le trafic ou alors l'immigration clandestine. Quand ils sont partis déposer les noms au niveau de l'ambassade d'Allemagne, on a ouvert une enquête, on a vérifié et on a trouvé que il y avait des noms des personnes qui ont été introduites, qui ont payé des millions pour figurer dans la délégation des Lyonnaises Indomptables. Comme si elles étaient des handballeuses ou comme si d'autres faisaient partie du staff. Or, l'Europe aujourd'hui, tous les pays Schengen font attention au trafic qui se passe au ministère des Sports. Ces trafics ont commencé justement lors de la Coupe du Monde 2021. Nous sommes en Espagne. Bien évidemment, les Lyonnes vont partir pour cette Coupe du Monde après avoir toujours été deuxième en Afrique. Mais lorsqu'elles arrivent là-bas, la Coupe du Monde devait se jouer entre le 30 novembre et le 17 décembre, le 18 décembre. Les Lyonnes, pour essayer de déjouer un certain nombre de choses, les dirigeants de la FECAHAN, avec des responsables de la FECAFU, vont organiser une fuite et aussi une sorte d'immigration. Première chose, alors que les matchs se jouent encore, quatre handballeuses camerounaises disparaissent dans la nature. Immédiatement, les services de sécurité et surtout d'immigration de l'Espagne ouvrent une enquête. On commence donc à surveiller des Camerounaises. On comprend que c'est des touristes, qu'on a mis beaucoup de touristes qui sont arrivés là. Le 17, les Lyons décident de quitter. Entre-temps, il y avait déjà la sécurité qui avait été renforcée autour des Lyons. Parce que lorsqu'on a interrogé certaines coéquipières de leur chambre, certaines disaient, nous on ne les connaît pas, on les a aussi vus comme ça, on dit quoi? Donc ce n'était pas des joueuses? On dit non, mais bon, on ne les a jamais vues. Celle-là était partie avec des passeports, alors que la fédération prétendait que c'est elle qui gardait les passeports. Et le dernier jour, lorsque
la police espagnole a un peu lâché, sachant que les Camerounaises sont déjà en train de partir, eh bien, une certaine Ntolo Gisèle a aussi pris la poudre d'escampette. Elle, elle était une joueuse. Ça faisait 5 qui sont partis dans la nature comme ça. On a interrogé les dirigeants camerounais. On a ouvert une enquête par rapport à la situation de cette délégation où, curieusement, les soi-disant joueuses ont trouvé, on cherchait, on ne les voyait pas comme des filles vraiment de la compétition ou comme des filles qui devraient être qualifiées pour venir jouer. Donc, on a vite compris ça en Espagne. Et cette fois-ci, en 2023, justement, les Lyonnais savaient, enfin, les dirigeants, et plus précisément Abate, savaient que ce sera très difficile. Il est parti voir son beau-frère Moelle Kombi, qui lui a donné un cadre du service des visas. Et pas des visas, des passeports. Que bon, avec ce service, vous allez travailler en collaboration avec le ministère des Affaires étrangères. La Coupe du Monde 2023, les Camerounais sont donc arrivés. Mais comment? On a délivré des passeports de service à beaucoup de personnes. Et ces personnes-là se sont retrouvées en Europe alors que les passeports de service, c'est pour des fonctionnaires, c'est pour des directeurs, c'est pour des hauts responsables. Comment les Lyonnais et les membres de la délégation se sont retrouvés avec les passeports de service? On a donc ouvert une enquête. Cette enquête, transmise par Interpol, a fini de faire comprendre qu'il y avait un véritable réseau derrière. Un cadre d'ailleurs du ministère des Sports a été arrêté en Suisse. Au moment où je vous parle, il est en prison. Il est en prison. On a appelé le ministère des Sports pour savoir ce qui se passe, pourquoi il y a autant de passeports de service et pourquoi il y a moins de combien dès qu'il a été saisi. Il a dit à son beau-frère, je ne veux pas que tu parles de moi, je ne suis pas au courant de ça. Interpol s'est mis, une enquête est ouverte contre la Fédération camerounaise de handball à l'international. La Hongrie, c'est en Europe de l'Est. Et le président de la Fédération camerounaise de football, Abamate, il savait que dès qu'il monte dans l'avion, on va le prendre. Résultat, les Lyonnais vont pour disputer un tournoi olympique. Le tournoi olympique, les Lyonnais devaient jouer contre la Hongrie, devaient jouer aussi certainement contre la Suède. Et tout. Bref, les Lyonnais devaient se qualifier pour être à Paris. Parce que les Lyonnais, par rapport à ce qu'il y avait sur le plateau, étaient donnés favorites. Le président de la Fédération camerounaise de handball a donc fui en arguant que il travaille à Douala. Et du coup, il voulait que le voyage foire. Moi, les commis savaient que si on va arrêter les Camerounaises là-bas ou d'autres Camerounais, en ce moment où il est impliqué dans beaucoup de réseaux, eh bien, ça va faire un grand écho et ça risque de salir encore la notoriété du Cameroun. L'affaire de trafic
des passeports de service a donc été tué. Ils ont donc tout fait pour créer un problème dans le problème. Et comme ça, vous ne regardez pas le vrai problème. On regarde juste que, oh, les Européens n'ont pas donné les visas cette fois-ci. Oh, ceci et cela. Oh, ils ne veulent pas les Africains. Voilà, les Occidentaux, oh, on fait ceci et cela. Voilà ce qu'ils voulaient. Pour vous prendre à contre-pied. Or, en réalité, tout le monde sait que le premier président depuis l'époque du premier président de la FECAN, Kakaba. Donc, tout le monde sait que les Camerounaises fuient souvent. Elles s'enfuient et prennent ceci et cela. Mais on continue à donner des visas. Mais cette fois-ci, si on ne donne pas, c'est parce que l'affaire est beaucoup plus grave. Et que aujourd'hui l'Interpol est dans l'affaire. Les enquêtes sont là. Et la presse camerounaise ne peut pas en parler. Le ministère ne peut pas en parler. Ils ont abandonné tout un cadre. Un gars de chez lui, hein, il est actuellement enfermé en Suisse. Moi, Kambi. Il veut telle affaire. Les filles deviennent donc un prétexte pour lui, pour les sacrifier. Avec son beau-frère, ils se disent que non, de toutes les façons, même ce n'est pas un sport, il faut beaucoup plus parler du football et tout ça. C'est ça qui, voilà, c'est ça qui intéresse les Camerounais. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui est exactement ce que vous voyez, même au sein des lions. C'est-à-dire que Moïse Kambi a installé une mafia et ne travaille qu'avec des gens de mauvaise foi, des gens qu'il tient, soit par la braguette, soit par le faux en écriture, soit des repris de justice ou des gens qui sont recherchés par la justice. Vous avez vu celui qui est venu vous proposer comme le coordonnateur général des équipes nationales. Mais tout le monde sait très bien qu'on l'appelle le Russe. Tout le monde sait que toute sa famille et consort qu'il a été impliqué plusieurs fois dans les magouilles. Mais c'est celui-là que Moïse Kambi vient présenter. Parce que c'est un réseau mafieux où malheureusement, beaucoup continuent à soutenir ça sous prétexte que c'est l'État. C'est l'individu. Un ministre n'est pas l'État. L'État, c'est vous et moi. Quand vous dites qu'on ne s'oppose pas à l'État, mais moi, les commis détournent les milliards. Cette femme vous a parlé du stade. Le stade. Mais c'est un scandale terrible. Le stade Poulpia. On vous a dit que ça doit avoir un hôtel. Il a pris la Seattle pour venir filmer un marché qu'ils ont monté comme ça en contreplaqué. Ils vous ont dit que c'était un hôtel qui est au stade. Allez chercher là où se trouve cet hôtel. Tantôt l'hôtel est souterrain, tantôt les piscines sont au ciel. C'est à peu près comme on va vous dire un bonjour que grâce à moi les Kambi, maintenant les poissons vivent sur les arbres. On n'a rien. Mais on vous fait comprendre que Moïse Kambi, ministre des Sports, est celui-là qui a signé contre Pichini. A enlevé Pichini pour venir avec Maguil. Moïse Kambi vous a promis la reprise des travaux du stade Paul Biya. On a dépensé dans le stade Paul Biya 210 milliards. 210 milliards. Et on n'a pas. On n'a même pas un million pour donner aux filles. Mais Moïse Kambi a trouvé quelqu'un qui était à la fédération. Je vais retrouver son nom. Mais il a chassé ce monsieur comme un malapris, comme un malabar. Mbita. C'est Mbita qui était
président de la fédération. Moi, il l'a combattu. Au temps de Mbita, les filles se plaignaient que bon, on leur donnait 1 million de francs. On leur disait 1 million de francs, puis on leur disait, on vous coupe les impôts. Quand on enlevait les impôts, en fait, c'était aussi pour prendre un peu. Mais on donnait aux filles 800 000. Mais depuis que le beau-frère de Moi les combis a été installé par Moi les combis, les filles n'ont plus jamais eu leur prime. Et le beau-frère de Moi les combis dit que l'État n'a pas de l'argent, que le ministère des Sports ne lui a jamais donné un centime de franc, mais ils seront communiqués. Ils seront communiqués pour dire que l'État a pris toutes les dispositions, a payé tout l'argent, a fait ceci et cela. Mais soyons sérieux, chers Camerounais. Lui, détestons Eto. Lui, détestons tel parce qu'il a été avec Paul Biya. Oui, détestons. Mais nous n'allons pas aussi détester Maurice Kamto qui a aussi travaillé avec Paul Biya. Le problème est que on doit regarder la mentalité de ces ministres qui sont des véritables prédateurs et qui viennent subitement avec la vertu outragée nous raconter des historiettes pour toucher notre sensibilité qui sont en train de défendre l'État du Cameroun, qui sont en train de faire qu'il n'y ait pas assez de salaires élevés. Mais on vous dit, moi, les combis chez lui. Un simple nettoyeur de chaussures a volé 85 millions de francs CFA. D'où sort cet argent? Moi, les combis, c'est un bandit. Et tous ceux qui sont autour de lui sont des bandits de grand chemin. Et tel quel, le sport camerounais ne peut pas évoluer, ne peut pas prétendre se renouveler, ne peut pas essayer de créer encore ce qu'il appelle une union sacrée, alors qu'en réalité, son union sacrée, c'est entre des bandits de grand chemin. C'est entre des gens poursuivis par Interpol, des gens qui, aujourd'hui, font de telle sorte que le Cameroun soit considéré comme une île enclavée de Fémania. Oui, Moi les combien est un Féman. Un trafiquant de passeports, de services, avec toute sa clique. Un détourneur de fonds publics. Et surtout, un homme qui, comme vous avez vu, sa belle photo, tout chez lui, Samba ici là. Le football, nous allons, une fois de plus, nous y étaler par rapport à ce qui peut se passer au niveau de l'orientation et surtout en ce qui concerne la gestion. La gestion du football camerounais aujourd'hui est donc chapeautée par le ministère des Sports, par Moi les combis, qui d'ailleurs a signé, pas un contrat, mais là encore c'est une escroquerie, mais une lettre d'engagement. Avant d'arriver à cette lettre d'engagement, Moi les combis nous a fait comprendre que les entraîneurs qui avaient été retenus par la FECAFOOT étaient tellement chers que lui, il voulait prendre le moins cher. Moi les combis nous a dit qu'il voulait faire des économies et surtout il trouvait de la qualité en Marc Brice. Sauf que
Après avoir essayé d'analyser un certain nombre de choses, on se rend compte que on nous a annoncé un contrat. Première des choses, le contrat n'existe pas. Moi, le Combi n'a jamais signé un contrat avec Marc Brice. J'y reviens tout de suite. Mais surtout, Marc Brice touche combien? Pourquoi la Fédération Camerounaise de football, dont on nous disait, dont on nous a présenté tout, toutes les propositions, pourquoi est-ce qu'on ne nous a pas présenté les propositions et surtout le vrai salaire de Marc Brice et tous ceux qui sont autour de lui? Quand on signe un contrat, parce qu'ils ont présenté ça comme un contrat, et qu'on veut la transparence, et qu'on dit j'ai pris le moins cher, on nous présente donc ce contrat-là. Qui l'a vu? Avant son arrivée, on nous a dit que Marc Brice devait coûter 40 millions de francs CFA. Quelques temps après, nos sources du ministère nous disent que ce n'est pas ça, c'est plutôt 90 000 euros. Et immédiatement, contre-attaque, on nous dit que non, il devrait toucher vers les 22, 23 000 millions, 25 millions. On ne sait pas. On ne connaît donc pas le salaire de Marc Brice qu'on nous présentait comme étant un cadeau du ciel, qui venait travailler presque à titre gratuit pour le Cameroun. Mais ce qu'on ne nous a pas dit, c'est ce que Marc Brice touchait avant. On nous a dit, voilà Hervé Renard qui touchait ceci, arrive au Cameroun, il va toucher cela. Voilà l'autre qui touchait ceci, arrive au Cameroun, il va toucher cela. Mais, mesdames et messieurs, le sélectionneur camerounais qu'on nous présente comme le moins cher touchait, après avoir été, avant d'être licencié, et touchait à Louvain, un club de je ne sais quel village, l'équivalent de 4 millions de francs CFA. 4 millions de francs CFA, puisqu'il n'est rien. Comment vous pouvez venir avec un entraîneur qui coûtait en Europe 4 millions de francs CFA? Il vient toucher au Cameroun. Il n'a jamais entraîné en Afrique. Il vient toucher au Cameroun tantôt 40 millions. Après, on dit déjà que c'est 58 millions. On ne sait même plus. Admettons, mais même 40 millions, ça fait déjà 10 fois ce qu'il touchait. Et là-dedans, il n'y a pas ses adjoints. On ne sait pas combien est-ce qu'il touche. Oui, on a préféré Alioune Bouka comme gardien, entraîneur des gardiens de but. Oui, c'est un excellent gardien. On a refusé peut-être Thomas Gomon. Bref, ce côté-là. Côté finance donc, il faut savoir pourquoi est-ce que cet entraîneur, ce sélectionneur a été choisi. Pourquoi? Parce qu'il y a un intermédiaire. Un intermédiaire sexuel derrière. Qu'on appelle Ferdinand Makota. C'est Ferdinand Makota qui, dans ses réseaux, avait été nommé parce qu'ils font les choses de marche arrière et partout avec le ministre des Sports. En 2021, enfin, c'est le même Makota qui nous avait fait recruter Conseil. Il a proposé Conseil à moins les combis. Moi, les combis a pris Conseil. Ils sont partis signer un contrat à
lequel Concessao avait des sandales. Il est parti signer. Il nous a dit qu'il voulait les entraîneurs qui étaient moins chers. Mesdames et messieurs, est-ce que vous connaissez combien Concessao coûtait? 90 000 euros. 90 000 euros. Et ils nous ont dit que les nouveaux entraîneurs qui arrivaient là, ils ont demandé une avance de solde. Et que ce n'est pas possible pour le Cameroun, les caisses sont vides. Concessao, quand il signe son contrat, il reçoit 3 mois d'avance. Soit 270 000 euros. C'est ce qu'il a touché. Moi, le Combe n'a jamais présenté la réalité au Cameroun. C'est son ami, Makota Ferdinand, qui l'avait nommé, c'est-à-dire que son partouzeur, qui l'avait nommé comme agent de liaison, de la même façon qu'il vient de nommer encore un autre agent de liaison, qui est son neveu. Auprès des Lions. Makota, ses commissions. Voilà donc son job. Voilà les gens qui vont donc chercher des brigands, des gens sans nom, des ceci et cela. Ils vont vous apporter et après on monte la facture, on vous dit, on doit digérer ça. Et le problème de moi, les combis, c'est que quand Samuel Eto'o arrive, il y a une succession de problèmes. Je crois que le premier problème, les Lions devaient se rendre en Afrique, je crois en Afrique du Sud. Parce qu'il y a eu 2 étapes. Les Lions étaient, nous sommes en octobre 2021, en stage bloqué au Mundi, au complexe Mundi. Et bam, la police débarque. On attrape qui? Celui que Mouelé Kombi avait nommé. C'est-à-dire Ferdinand Makota. On l'attrape. On dit, oh yo, oh, escroquerie, oh ceci, il y a eu cela. On ne comprenait rien. La police part avec lui. On a été obligé de retarder l'avion parce que moi, les combis devaient intervenir. Les terres du Cameroun devaient payer les pénalités. Parce qu'il fallait attendre la libération de Makota, qui par la suite est venu retrouver des lions qui ne comprenaient rien. Un mois après, le même Makota, le Cameroun doit jouer contre le Mozambique. Makota vient avec des sorciers, avec des écorces. Il commence à proposer des marchés d'écorces aux lions indomptables. Comme exactement vous avez vu avant le match contre l'Algérie. Hein. Vous avez vu Mouelé en pleine nuit avec les chefs traditionnels au stade Japuma. Là, ils ont fait la sorcellerie. Et finalement, l'Algérie est venue nous battre. Il était là avec ses pailles, avec ceci, avec des cornes de quoi. On ne comprenait pas ce qu'il faisait là-bas, comme il aime danser nu. L'Algérie est venue nous battre. Heureusement, ce jour-là, quand Makota propose, les joueurs vont lui dire, vraiment, nous, on ne sait pas à quoi servent les écorces. Il dit, non, 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 non. C'est comme ça, même tous ceux qui ont toujours été ici, c'est comme ça que vous croyez qu'on a gagné souvent comme non, c'est avec les écorces ici. Tu prends les corses, tu mets aux fesses, l'autre tu mets dans la chaussure, l'autre tu marches pendant tout le... Les joueurs se sont regardés comme ça. Les gars, la plupart, ils ne connaissent pas les choses du bled là. Ils ont dit que pardon, nous on ne veut pas. Les joueurs s'étaient opposés. Que d'où sort même cet individu? Mais moi, les comiques continuaient à le soutenir. Mais beaucoup plus tard, même pas beaucoup plus tard, c'est-à-dire nous sommes en décembre, 2021. Une
vidéos défilent dans les réseaux sociaux, qui est-ce qu'on voit? Ferdinand Makota. Le boss des Lions Indomptables. Il est là nu. Avec le bâton de commandement debout comme ça là. Avec deux pastèques en bas là qui font Makota. Nu. En train de se masturber. Avec une fille, avec ou quoi, et machin, et tout. La vidéo commence à défiler dans des réseaux sociaux. Ça devient un scandale. Les Lions Indomptables, eux-mêmes, ils reçoivent la même vidéo. On balance la vidéo à Samuel Eto'o et à tous les encadreurs et tout ça. C'est un scandale. Samuel Eto'o alerte, moi les commis, que je vais le suspendre, c'est intenable. Mais moi les commis s'opposent. Il dit, mais c'est la vie privée. Donc la vie privée, alors que Samuel Eto'o était en train de vouloir redonner une certaine image, on vous dit que voilà le boss des Lions Indomptables, qu'on voit lui-même appeler des Wolves, des Maboya, pour se masturber, il étale ça jusqu'à après. Je crois que c'est les morceaux de Katino que j'entendais là. Makota. Et c'est ça, la gestion de Moulay Kambi. Parce que regardez quand le monsieur était à la culture. Il avait un réseau dehors. On lui dit, et il y a tel séminaire, il y a tel ceci, et il y a un spectacle au centre culturel, et il y a ceci et cela. Il n'allait pas là-bas. Où est-ce qu'il allait? Quand il était au ministère de la Culture. Vous vous souvenez? Le 16 juin 2018. On voit le père là, tchoup, 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 et il marche, on cire la chaussure, il revient là, tout et tout. Il va au sous-quartier, dans l'inauguration d'un salon de coiffure d'une influenceuse qu'on appelle Biscuit de mer. Hey, hey, Biscuit de mer, Biscuit de mer. Maman, je ne savais pas qu'il y a les biscuits dans la mer. Mais moi, le combi est parti chercher le biscuit jusque dans la mer. Oh, le biscuit là était comment? Oh, le biscuit là. Moi-même, même le pain, si tu mets ça dans la mer, mais ça s'est dilué. Un biscuit dans la mer, moi, le combi est parti. Dans l'inauguration du salon de massage de biscuits de mer. Moi, je savais que, en Europe, ici, quand je suis arrivé, on a commencé à me parler des fruits de mer. Mais je ne savais pas que moi, les combis cherchaient pour sauver les biscuits de mer. Biscuits de mer. Tous les ministres de la culture. Et quand vous voyez comme ça, ce n'est pas un cas. C'est comme vous avez vu, certaines choses se passer au niveau des Lions Indomptables quand il arrive quelque part. J'avais proposé une vidéo en audio de son ancien employé qui dit que moi, les combis que vous voyez là, voilà un ministre, célibataire endurci, mais qui passe le temps à sauter les dirigeants de Lions Indomptables, les dirigeants de fédération chez lui, et même ses gardes du corps. Parce que celui-là, femme, homme, il n'y a pas de différence. Tout ça, dès qu'il y a un trou, boum. Comment on peut donc construire notre pays et dire qu'il faut respecter l'État? Mais l'État des fesses, l'État des fort aux fesses, quand vous voyez donc, c'est un combat que nous menons
essayer au moins de redonner une certaine valeur à notre société. Lorsque vous entendez qu'un ministre passe le temps à utiliser les machines de sorcellerie, à dire à ses propres employés que nous devons faire des voyages astro, et que par la suite, aucune fédération ne marche. Mais vous étiez au ministère de la Culture, regardez comment est la culture. Aucun centre culturel n'a été construit. Il y avait le centre culturel camerounais. Il y avait à l'époque l'orchestre national. À l'époque, il y avait des salles de cinéma. Mais rien. Il arrive au sport. Là, il tue complètement encore le Han. Est-ce que vous savez, par exemple, que les handballeuses camerounaises, pour s'entraîner, le stade requis, c'est bien sûr, c'est le palais de sport. Mais moi, les combis a désigné ces gens pour faire le commerce au palais de sport. Là-bas, finalement, vous allez trouver les gens qui viennent du Bénin, les pasteurs tels, le pasteur et tout, vous venez vous louer. Ils prennent cet argent, ils bouffent cet argent, ils se partagent cet argent. Donc le palais de sport est devenu sa propriété privée. On fait des concerts, on paye, on veut faire ceci et tout et tout. Mais les handballeuses, les volleyeuses de l'équipe nationale, quand elles veulent venir s'entraîner au palais de sport, on leur dit qu'il n'y a pas de place. Et même quand il n'y a pas de place, elles payent. Une équipe nationale qui paye les infrastructures nationales, les infrastructures de l'État, les Lyons sont obligés d'aller en Fandena, s'entraîner. Et c'est sur quoi? C'est sur du bitume. C'est sur du bitume. C'est là où ils vont s'entraîner. Parce que moi, les combis gardent tout son argent, tout l'argent de l'État, les infrastructures de l'État. Et puis, il va vous raconter comment il aime l'État. Il va vous dire comment est-ce que tel entraîneur est le meilleur. Aujourd'hui, c'est bien beau. Oui, Samuel Eto'o a fauté. D'ailleurs, qui n'a pas fauté? Oui, Samuel Eto'o n'est pas compétent, n'est pas instruit comme Moumoué Nkombi. Mais le problème, c'est qu'il faut demander les résultats à nos ministres. Qu'est-ce que Moumoué Nkombi a fait depuis qu'il est ministre? Demandez-leur le bilan. On ne va pas demander des bilans à des gens qui n'ont fait que 2 ans. Mais Moumoué Nkombi, même dans le sport, il vous dit qu'aucun entraîneur camerounais, il ne connaît que les étrangers qui ont remporté les trophées. Et pourtant, s'il y a un grand trophée international qui a été remporté par le Cameroun, c'était bien les Jeux Olympiques avec Anne Samuel Eto'o qu'on méprise aujourd'hui, tout feu, tout flamme, à l'attaque. Et aussi, un sélectionneur qui était camerounais, à savoir Jean-Paul Akono. Donc vous êtes à la tête d'un département et vous ne connaissez même pas les tenants et les aboutissants. Vous allez voir son intervention quelque part là. Il lit même, voilà le ministre des Sports, il lit. Mais on vous dit que c'est lui qui choisit les sélectionneurs. C'est lui qui est le meilleur, c'est lui qui fait ceci et cela. C'est lui qui vous dit que oh, j'ai mis les critères. Et les gens aussi, se mettent à dire oh, moi, les combis, vraiment, il est très fort, c'est que... Non, attendez, le voilà. Voilà, je vais le mettre là. Voilà, Samuel Eto'o, qu'ils appréciaient. Samuel Eto'o qui a donné la CAN, qui a fait l'organisation de la CAN. Il se battait. Maintenant, il est l'ennemi public. On doit l'abattre.
Je remercie Samuel Eto'o. C'est grâce à lui qui a organisé et cette visite pour enlever toutes les supputations à gauche à droite. La CAF n'a pas de plan B. La CAF n'a jamais réfléchi à un retrait de la CAF au Cameroun. Et c'est au Cameroun de nous dire que ce n'est pas nous qui organisons. C'est le Cameroun qui accueille cette compétition. C'est le Cameroun qui pourra nous dire demain, on est prêt. Ah non, donnez-nous le temps, on n'est pas prêt. Ça veut dire que le Cameroun, c'est... Vous avez suivi la Coupe du Monde. Voilà, écoutez notre ministre. À l'issue de la phase des groupes, qualification, lors de la CAN, la sélection camerounaise a été classée première. À l'issue des groupes, des phases de groupe même de la CAN, il ne faut pas l'oublier, la sélection camerounaise a été classée première et je rappelle qu'elle a été classée troisième. Elle était sur le podium avec une médaille de bronze. Est-ce qu'on peut nous sommes sur le exemple en s'inspirant de l'exemple sénégalais qui a gagné le trophée final de la CAN avec Aliou Cissé. Mais écoutez, l'entraîneur, je ne veux pas entrer, je veux penser dans ce jeu de comparaison. Puisque c'est une question que les Camerounais se posent. Il serait important d'avoir un coach camerounais. Qui se la pose. Le Sénégal avait un coach sénégalais l'année dernière, mais n'a pas remporté le trophée. Ce n'est pas une panacée. Et chaque fois que nous avons... Ah oui, mais donc trophée, chaque coach étranger chez toi a remporté. J'ai la mémoire qui me rappelle que chaque fois que nous avons remporté un trophée, c'était avec un sélectionneur d'origine étrangère. Cela n'implique pas nécessairement ceci. Ce que vous dites, mais je voudrais dire que l'urgence actuellement, c'est la préparation dans la sérénité, dans l'unité, dans l'harmonie des barrages en mars prochain, c'est-à-dire dans un mois et quelques jours. Et pour cela, nous avons une équipe qui est en train de monter en puissance, une équipe qui a montré sa force, son fighting spirit, sa combativité. Nous avons un staff technique composé d'expatriés, mais également de Camerounais, on ne le dit pas assez. Monsieur François Mambik, Monsieur Jacques Songo et tous les autres compatriotes qui sont dans le staff technique. La priorité actuellement, ce n'est pas de déstabiliser l'équipe. Ce n'est pas de déstabiliser l'équipe en la décapitant. La décapiter, ça veut dire couper la tête de l'entraîneur. À ton côté, c'est comme moi le citoyen, moi pas évêque. Montez, descendez, si vous m'avez apporté Franz Beckenbauer, Michel Platini, voilà, Zidane, ou Ronaldo, ou quelque chose comme ça, que et tout soit content, on passe, je vais négocier. Mais vous apportez un titre. On ne sait pas dans quel cagibi il sort de Belgique. C'est-à-dire que pour vous, tout ce qui est blanc est bon, vous ne savez pas qu'il y a des blancs imbéciles. Vous savez qu'il y a des sales blancs. Pourquoi vous apportez un blanc qui est sale? Il est où? Il a joué où? Il a joué la Champions League. Si oui, il a remporté la Champions League. Il a joué. On parlait de celui qui a joué. Je ne parle pas de nous. Il faut quand même sur Cameroun. Il y a un monde qui est champion de Béké, Mangon et Afghan. C'est le même moment. Aujourd'hui, le Cameroun ne peut plus accepter n'importe quel blanc. Les Africains ont ouvert les yeux et ont compris que les blancs sont les hommes comme les hommes ne sont pas les hommes supérieurs. Tu ne peux pas aller prendre un blanc médiocre. Si tu appelles un blanc médiocre ici, tu vas voir s'il m'invite, tu vas voir comment il veut le traiter. Professeur. Merci infiniment d'avoir accepté de venir. Dans ce dossier par rapport à ceux qui bien sûr s'interrogent et ceux qui bien évidemment trouvent cela honorable et qu'il faut accepter
tout ce que l'État fait. Mais sauf que, bien sûr, là maintenant, on est dans un autre problème. Parce que je vous ai dit que le contrat n'a pas été signé. Donc c'est une duperie parce que les gens nous ont dit le nouveau sélectionneur a déjà signé un contrat. Hein? C'est une lettre d'engagement. La lettre d'engagement n'est pas un contrat. La lettre d'engagement, on parle de la lettre d'engagement lorsqu'il y a appel d'offres ou surtout dans les marchés publics. Ça n'a rien à voir avec un contrat. Parce que le contrat a des termes spécifiques. Et au-delà de ça, qu'est-ce qu'on a demandé comme cahier de charge à cet sélectionneur? On vous dit qu'il faut qu'il qualifie les Lions pour la CAN. Mais Rigobert sera qualifié les Lions pour la CAN. Et que ce soit honorable, c'est où? Il faut savoir ce que veut dire honorable. C'est les demi-finales? C'est la finale? Ou bien c'est les huitièmes de finale? On doit qualifier pour la Coupe du Monde. Mais Rigobert sera qualifié pour la Coupe du Monde. Rigobert, on n'était pas bon? Oui. Il faut le changer. Mais celui qui vient doit être lié par un contrat où on lui dit, si tu ne réussis pas ceci, monsieur, tu pars bien, tu pars. Mais comment se peut-il que cet entraîneur qui n'a fait de preuves nulle part depuis 26 ans, au Cameroun, il arrive. Et on trouve une sorte d'astuce incroyable de lui dire qu'il a 2 ans et demi de contrat renouvelable 2 fois. Une fois. Ah, ça fait 3, 5 ans qu'il sera là. Et dès qu'on va dire qu'il a échoué, c'est-à-dire que jusqu'à la Coupe 2026-2020, mais dès qu'on va dire que, comme il a échoué, on va aussi se débarrasser de lui comme Rigobertson. Mais Rigobertson, vous l'avez pris. Vous ne lui avez pas donné un long contrat. Vous prenez quelqu'un, vous lui donnez 5 ans de contrat. Et ce n'est pas un contrat. Parce qu'il n'est pas bon. Vous ne lui avez rien déterminé. Vous avez juste pris. Je ne voudrais pas faire des coups de doigt ici pour dire ce que c'est qu'un contrat. Parce que le contrat, on peut aller avec ça jusqu'en justice. Mais une lettre d'engagement, ce n'est qu'une étape préliminaire qui veut dire que tel accepte l'offre, accepte la proposition. C'est donc après la lettre d'engagement qu'il y a un contrat. Parce que la loi du Cameroun n'autorise pas justement qu'on remplace la lettre d'engagement par un contrat. Et puis, puisque vous dites, c'est l'État, nous revenons toujours sur ce que Paul Biya a dit. Le décret de 2014, dans l'article 4, alinéa 1, dit que c'est le président de la Fédération Camerounaise de football qui nomme le coordonnateur général. Et ce coordonnateur général, dans l'alinéa 2, est assisté de lui, a 2 assistants. Et c'est le président de la Fédération Camerounaise de football qui doit également payer. Curieusement, moi, les combis, qui a cité l'article 9 de la Convention de 2015? Mais la Convention de 2015 n'a jamais dit que, bon, c'est moi, les combis, qui doit signer le contrat puisque ça n'existe pas. Ah non, et ce n'est pas lui qui doit signer le contrat, même selon la loi du Cameroun, même selon le décret de Paul Biya. Alors, vous dites donc à ce monsieur que voilà une lettre d'engagement. Vous lui balancez ça. Et vous dites au peuple camerounais, non, tout est réglé. Alors que vous savez pertinemment que l'article 2, alinéa 1 du Code du travail, pour qui est un contrat, et même l'article 23, alinéa 2 plutôt, vous dit que il faut une pour qu'il y ait une signature de contrat, il faudrait qu'il y ait d'abord un cahier des charges, il faudrait qu'il y ait des obligations, il faudrait que au niveau même de la segmentation et surtout la hiérarchie, qu'il faudrait que quelqu'un soit lié à l'autre. Donc directement, qui est responsable? C'est la FECAFOOT, qui est personnalité morale.
Donc, Samuel Eto'o, c'est lui qui va signer le contrat. Voilà pourquoi, sachant que son contrat sera faux, moi, le combi a évité le contrat. Il va donc passer par la lettre d'engagement. Et la CIATV se met à mentir aux Camerounais que Marc Brice a déjà signé un contrat. Il n'a pas signé un contrat. C'est une lettre d'engagement. Et pour encore montrer le banditisme, parce qu'il ne veut pas, il comprend bien que ces astuces-là et tout ce qui arrive aujourd'hui, il y a lui également, il se rend compte que il y a la loi qui a été piétinée. La loi est piétinée. Même s'il a donné des instructions. Les instructions, ce n'était pas qu'il faut d'abord se substituer au président de la Fédération Camerounaise de football. Oui, mais bon. Sauf si Biya lui-même abroge d'abord son propre décret. Et il ne l'a pas encore fait. Le coordonnateur général doit être payé par Samuel Eto'o. Ses adjoints sont nommés par Samuel Eto'o. Et puis dans le cahier des charges, il ne rencontre que à Samuel Eto'o. C'est Paul Biya qui le dit, hein, dans l'article 4, alinéa 2. C'est Paul Biya. Comment le ministre peut donc le nommer? Et la preuve, ils n'ont pas signé le contrat, ni de lettre d'engagement. C'est pour ça que vous voyez donc qu'il n'y a eu que les sélectionneurs et les autres n'ont pas signé. Ce n'est pas qu'ils ont refusé, c'est parce qu'Eto'o dit est déjà mis au courant que moi, les combis, a utilisé les hautes instructions de Paul Biya pour régler ses problèmes personnels à Samuel Eto'o. Que moi, les combis, et encore Ngongo qui ne connaît rien du foot, ils ont utilisé des raccourcis pour aller faire un mauvais rapport à Paul Biya. Sinon, Paul Biya, peut-être même Samuel Eto'o n'aurait jamais discuté. Peut-être s'il disait non, tout simplement, Paul Biya l'aurait déjà mis en prison. Aujourd'hui, donc, ça bloque. Pourquoi? Parce qu'il faut d'autres négociations. Pour l'instant, il faut qu'on dise la vérité au peuple camerounais. Marc Brice n'a pas encore signé son contrat. Il pourra le signer, même si le gouvernement a eu à mettre aussi, tiens, Samuel Eto'o. Oui, parce que c'est eux. Ils tiennent Samuel Eto'o. Mais, tant que ce contrat-là n'est pas paraffé par Samuel Eto'o, il n'est pas un entraîneur légal et nulle part. Attendez, vous allez voir. Samuel Eto'o sera appelé, certainement après le décès de son père, après les cérémonies d'inhumation de son père, certainement à la demande de l'Eto'o dit. Parce que Paul Biya, aujourd'hui, s'est senti floué, s'est senti rabaissé, mais il ne peut pas, en même temps, contrecarrer son propre ministre qu'il a nommé, tant qu'il n'y a pas encore de remaniement ministériel. Et voilà pourquoi est-ce que cette histoire est en train de bloquer. Samuel Eto'o n'a pas nommé un sélectionneur. Mais Mouéle Kombi, lui aussi, il n'a pas nommé un coordonnateur général. Il a nommé, mais personne n'a signé. Même les team managers, personne n'a signé. Donc, c'est une victoire à la Pyrrhus, mais qui n'est pas une véritable victoire. Mais, encore une fois, comme j'ai dit, même si Samuel Eto'o peut avoir des défauts, il a gagné une élection. Il a gagné une élection. Comment se peut-il que nous, Camerounais, soyons plus exigeants envers un président de la Fédération Camerounaise de football qui ne gère même pas, qui ne va jamais gérer 10 milliards. Mais nous laissons et nous applaudissons un papa dangereux, pilleur des caisses de l'État, qui a créé les pleurs, la terreur, l'horreur au ministère de la Culture, qui vient de détourner des milliards avec Ferdinand Gongo, les milliards de la CAN. Et nous prenons ce monsieur-là comme étant le plus grand juriste
gens parce qu'ils doivent appliquer les actes ou bien les décrets du chef de l'État. Mais attendez, s'il fallait seulement attendre les décrets, vous croyez que les Français auraient coupé la tête du roi? S'il fallait attendre les décrets, vous croyez que les esclaves allaient se libérer? S'il fallait attendre les décrets parce qu'il faut que l'État est supérieur, vous croyez que Mandela allait sortir de la prison? À force de dire l'État, oh, nous ne pouvons pas être l'État. Ouais, actuellement, Macky Sall, il n'était pas l'État, il n'était pas chef d'État. Où sont ses ministres maintenant? N'est-ce pas que Macky Sall a fui jusqu'à aller se réfugier maintenant au Maroc? N'est-ce pas que les ministres de Macky Sall qui viennent d'être forts là, qui disaient que, oh, ils disaient aux policiers, allez arrêter Sonko, allez arrêter Fall. Mais ils sont où? L'État, c'est vous. L'État, c'est nous. L'État, c'est pas eux, les bandits. Et c'est eux qu'il faut combattre. Chaque fois qu'ils veulent vous montrer un ennemi dans votre camp, dites-vous que vous avez perdu le combat. Parce que c'est eux qui, depuis 42 ans, voire 60 ans, ont maintenu notre pays dans la pauvreté, ont fait que les infrastructures sportives ne se développent pas, que nos championnats ne se jouent pas. Ce sont eux qui, depuis longtemps, ont détruit le canon de Yaoundé, le tonnerre de Yaoundé, le caïman de Douala, l'union de Douala. C'est eux, depuis 42 ans, qui ont fait que nos handballs, les handballeuses, soient aujourd'hui comme des bandiantes, ne soient plus jamais respectées à l'extérieur. C'est eux qui font qu'aujourd'hui, notre réputation soit salie à l'étranger. Mais les sportifs, eux, ils sont adorés. Si les Camerounais sont encore respectés un peu à l'extérieur, c'est parce qu'il y a des noms comme Thomas Kono, parce qu'il y a des noms comme Roger Milla, parce qu'il y a des noms comme Samuel Eto'o, parce qu'il y a des noms comme Ben Joseph Antoine, parce qu'il y a des noms comme Oman Bihi. Mais malheureusement, on utilise tous ces noms-là, des gars qui n'ont jamais joué au ballon et qui n'ont aucune compétence, même dans l'exercice de leur fonction de ministre, mais qui ne savent que venir cogner la tête entre les pauvres, entre ceux qui ont le génie, et parce qu'ils détruisent la jeunesse. Ce sont ces gens à qui vous devez demander les comptes. Parce que pendant 42 ans, vous fermez les yeux, vous êtes assis là. Ils vont l'argent du Covid. Mais personne ne parle. On dit non, attendez. Paul, il y a 7 ans, encore 7 ans, encore 7 ans. Chaque jour, oh les grandes ambitions, oh les grandes réalisations, oh les grandes promotions, oh les grandes... Mais c'est des illusions, oh les grandes désillusions. C'est quoi? Moi, les combis tournent dans le gouvernement depuis. Mais quel est le résultat? Montrez-moi un seul acte positif posé par moi, les combis. Montrez-moi un seul acte positif posé par le régime Biya. Tous les jeunes s'en vont à l'étranger. Ils vont réussir là-bas. Ils essaient d'apporter quelque chose dans leur pays. Et même pour qu'ils soient à l'aise dans leur pays, on les oblige à faire allégeance. Vous avez vu comment Samuel Eto'o disait, je vais voter pour Paul Biya. Est-ce que Samuel Eto'o peut voter? Pouvait voter. Puisqu'il avait la nationalité espagnole, il ne pouvait pas voter. Mais pour vivre au Cameroun, on te demande qu'il faut porter la casquette de Paul Biya. Ben Joseph Antoine, je crois que même son caleçon aujourd'hui, c'est avec la photo de Paul Biya. Alors que c'est Paul Biya qui a détruit sa carrière en 90. Samuel Eto'o a dit que non, c'est Paul Biya, vraiment, je lui dis merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Donc, c'est Paul Biya qui a mis Samuel Eto'o dans l'académie. C'est Paul Biya qui a payé le billet d'avion à Samuel Eto'o pour aller à Barcelone. C'est Paul Biya qui a pris à Samuel Eto'o à dribbler. Regardez comment on m'a billé, il dit, à l'autre là, le cannabis, son fils, on l'a chassé du Cameroun. Et il vient dire, là, salut coach. En tout cas,
Je ne confonds pas de combat. Et moi, même s'il peut m'arriver de marquer contre mon propre camp, mais je connais d'abord ceux qui sont mes adversaires. Moi, le combien mon adversaire. Le régime Biya est mon adversaire. On parle un peu politique. Oui, c'est un peu, voilà. Le football distrait, mais les politiciens sont aussi dans la distraction. Distraction parce que ils oublient parfois ce qu'on appelle jouer en équipe. Les politiciens camerounais particulièrement se retrouvent souvent à la veille des élections comme des joueurs pendant le mercato. Chacun attend qu'il soit recruté dans l'équipe plutôt du gouvernement qui peut offrir beaucoup d'argent. Aussi, ils peuvent créer des alliances, peuvent créer toutes sortes de j'ai faim, j'ai huile, j'ai sardine, j'ai ceci. Tout cela, ils font semblant d'abord d'être des opposants. Et après, on les appelle de venir s'asseoir à table et ils sont tout contents. Tout contents de manger avec ces gens qu'ils ont pourtant passé le temps à nous présenter comme leur bourreau. Tout contents de dire qu'ils respectent tellement les lois de la République et qu'ils vont passer une élection comme un couteau dans du beurre. Alors que l'élection présidentielle de 2025 approche, j'ai le temps d'écouter les interventions des uns des autres. Et depuis un certain temps particulièrement, j'écoute les plaintes et complaintes de Cabral Libi qui, faut-il le dire, a maille à partir avec Atanganji, un autre chef bandit qui a été érigé en ministre de l'administration territoriale par Paul Biya. Cabral Libi n'a pas encore de parti, ou plutôt est comme celui-là qui est devenu SDF. Ce n'est pas qu'il est du SDF, mais plutôt un sans domicile fixe, pouvant être accueilli partout où on peut lui tendre la main. Pour l'instant, Kona qui l'a hébergé, après que Nkumvondo ait eu, bien évidemment, aussi à lui offrir un peu d'hospitalité, l'a chassé. Mais Cabral Libi est à peu près comme cette sorte de plante épiphyte qu'on nous avait montré, apprise à l'école, en nous disant que dès qu'elle arrive, quelque part, s'installe et veut envahir l'arbre. Cabral Libi décide donc, ou plutôt a décidé que désormais, avec le PCRL, qu'il a propulsé au devant de la scène, il ne pourra plus quitter, quitte à aller maintenant en justice. En justice, c'est un triomphalisme que j'ai suivi. Lors de son interview à RFI, où certains disent qu'il a mis presque Atanganji KO, puisque des trois fondateurs du PCRN, Kona est déjà en minorité et que la justice de Kaélé a pris, fait ses causes pour lui. Bravo, Cabral Libi. Mais a-t-on vu au Cameroun où le régime Biya contrôle la justice, contrôle l'exécutif, contrôle le législatif, quel ministre encore, celui de l'administration territoriale, qui peut perdre devant un opposant? Cabral Libi dit donc qu'il est très confiant et qu'il ne voit pas comment est-ce qu'on pourrait l'empêcher à être surtout candidat à l'élection présidentielle. Or, tout le monde sait
Si à Tanganyika décide sur un seul opposant, non seulement vous allez en prison, mais aussi c'est la disqualification. Il n'a même pas besoin de la justice. Cabral Libi semble donc être sûr de lui-même, du moins quand je l'ai écouté, il ne ressemblait pas totalement à cet opposant, mais plutôt, comme lui-même l'a souvent dit, un proposant. Éloquent, élégant, percutant, voilà le talent qu'il a, Cabral Libi. Sur le plan politique, c'est là où je peux parfois être en désaccord avec lui. Je voudrais d'abord que vous écoutiez l'intervention de Cabral Libi au niveau de RFI et nous allons y revenir pour que je puisse donner mon mot par rapport à ce qu'il a dit. Bon. Cabral Libi, allez, on y va. On va partir. Bonjour. À la présidentielle de 2018, vous avez créé la surprise en arrivant en troisième. Et pour les législatives de 2020, vous vous êtes présenté au nom du parti PCRN. Vous avez gagné 5 sièges de députés. Mais depuis quelques mois, le fondateur du PCRN, Robert Cona, veut vous évincer de ce parti. Est-ce que, faute de parti, vous ne risquez pas d'être interdit de candidature à la présidentielle de l'année prochaine? D'abord, vous faites bien d'évoquer une tentative d'élection, mais ce n'était qu'une tentative malheureuse parce que les autres fondateurs, ils étaient trop à la création de ce parti. Les deux autres fondateurs ont pris leurs responsabilités pour essayer de l'amener à la raison. L'autre fondateur qui est manipulé par le... parce qu'il a fait l'aveu public de ce qu'il agissait sur l'instruction du ministre de l'administration territoriale et il a clairement affirmé devant les journalistes que l'objectif de toute cette manipulation était de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle parce que le PCRN ayant des élus est en capacité d'investir en candidat à l'élection présidentielle. Donc c'est un acharnement sans précédent qui montre bien que l'objectif, comme l'a dit l'ex-président du parti, est de m'empêcher d'être candidat à l'élection présidentielle. Mais ce n'est certainement pas la médiocrité manipulatoire de Minak, le ministre de Tanganyika, le ministre de l'administration territoriale. Ce n'est pas la manipulation des ministres qui m'empêchera d'être candidat à l'élection présidentielle. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, en 2018, je n'étais président d'aucun parti politique, mais j'ai été candidat. Et pour ce coup-ci, attendant que la justice se prononce, mais d'ici là, je reste le président national et je suis donc en capacité toujours d'être investi par le PCRN. Et je doute, au regard de ce que je viens de vous expliquer, que la justice se prononce en sa faveur. Alors vous n'êtes pas le seul opposant, hein, au Cameroun, il y a bien sûr Maurice Kamto, qui est arrivé deuxième officiellement à la présidentielle de 2018. Est-ce que vous n'avez pas intérêt à vous rapprocher de Maurice Kamto et de sa nouvelle alliance, l'ABC, l'Alliance pour le changement? Il y a des démarches entreprises au Cameroun pour que les leaders politiques puissent se mettre ensemble. Il y en a principalement deux. Il y en a une qui a été initiée par un collègue député, l'honorable Nitu, autour de la candidature du professeur Kamto. Et il y a une autre qui a été initiée par le professeur Bilet. Et lui, il a une démarche qui m'accroche, moi personnellement, et ceux qui me suivent. Il propose que le peuple camerounais élise en 2025 un pouvoir de transition. Transition non pas par des coups d'État, comme on peut le voir dans certains pays, mais transition par le vote. Un pouvoir qui va faire un audit du Cameroun pendant 2 ou 3 ans, qui va assainir les textes, réécrire la Constitution. Et moi, je suis sensible à cette proposition du professeur Bilet d'un pouvoir de transition et j'y ai marqué mon accord. Et qui serait à ce moment-là le candidat de l'ATP, l'Alliance pour une transition politique, que informé Olivier Klein. Déjà ATP, c'est le nom que lui propose. Mais déjà dans le groupe de travail, c'est peut-être assez clair, mais je vous le dis quand même, on n'est pas sûr que ça va s'appeler ATP à l'issue de nos concertations. Mais il reste que c'est une dynamique de transition. Qui sera candidat? Mais on avisera. Effectivement, l'un des sujets sur lesquels nous travaillons, c'est sur le profil de cette candidature de celui qui va faire 2 ou 3 ans au pouvoir. Et qui renoncerait au pouvoir à la suite. Et qui renoncerait immédiatement au pouvoir par la suite. Et d'ailleurs, dans la réflexion, certains proposent qu'il accède au pouvoir, il renonce 2 ou 3 ans après et il n'est pas candidat lui-même. C'est donc là l'une des différences avec l'autre plateforme dont je parlais tout à l'heure, où un candidat a déjà été défini et les uns et les autres sont simplement contactés pour se mettre derrière ce candidat. C'est deux approches diamétralement opposées. L'autre plateforme dont vous parlez, c'est l'APC de Maurice Kamto. En effet. Alors que vous, Cabral Libi, vous pourriez peut-être vous effacer derrière Olivier Bilet pour la candidature à 2025 au nom de cette alliance pour une transition politique qui va reporter votre candidature à plus tard, en 2027 ou 2028, une fois la transition terminée.
Camerounais, c'est ça? Je l'ai toujours dit et je suis constant. Vous vous souvenez certainement que même sur ces entraînements en 2018, déjà quand la question se posait, je pourrais moi effacer moi Cabral Libi au profit d'un Olivier Billet, puisque c'est le nom que vous avez cité, ou d'un autre. D'ailleurs, à ma connaissance, M. Olivier Billet, lui, il n'a pas encore dit qu'il serait candidat. Mais dans cette plateforme, il y a par exemple Akerimouna, maître Akerimouna, qui lui, le bâtonnier, a déjà dit qu'il est candidat pour exercer cette fonction-là. Donc, que ce soit lui ou un autre qui aurait la faveur du choix du groupe, moi, je pourrais m'effacer en sa faveur. Tout comme je pourrais, moi aussi, décider, le cas échéant, d'être candidat, de faire les 2-3 ans et de ne pas être candidat derrière, de reporter à plus tard ma candidature. Donc, toutes les hypothèses sont ouvertes. Bien encore les dernières. Cabral Libi, merci. Après cet entretien entre Cabral Libi, président du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, et Christophe. Merci. Hallucinant. L'équipe. Vous avez suivi comme moi certains faits de Cabral Libi. Il est libre de le dire. Mais j'ai retenu un certain nombre de choses. Cabral Libi préfère l'ATP à l'APC qui est arrivé et qui porte la candidature de Maurice Kamto. Cabral Libi est parti donc vanter les vertus de l'ATP. Or, Cabral Libi, bien évidemment, il dit qu'il est capable de s'effacer pour un autre candidat comme Maître Akerimouna ou Olivier Billet. En 2018, je peux vous dire, Monsieur Akerimouna avait un projet de société, d'autant plus qu'il est anglophone, ancien bâtonnier. Il avait une notoriété, il a une notoriété internationale. Et il a tout fait pour tendre la main à Cabral Libi. J'étais au courant de toutes les négociations. Mais ce monsieur s'est fait trimballer de telle sorte que Cabral Libi est parti seul. Cabral Libi n'a suivi personne. Aujourd'hui, il évoque Maître Akerimouna, conscient que Maître Akerimouna, il ne sera même pas peut-être candidat, et que même s'il est candidat, le même Cabral Libi que vous entendez là va changer le ton, va chercher l'échappatoire. C'est pour ça que je dis que lorsqu'il cite un certain nombre de choses, il faut qu'on revienne par le passé. J'avais dit que j'étais bien d'accord que l'opposition puisse réunir à la fois Joshua aussi, Matomba, Cabral Libi. Ils étaient jeunes. Ils sont jeunes. Mais j'ai été surpris que ces gens-là sont beaucoup plus amis avec les Atangani qu'autres. Parce qu'aujourd'hui, quand Cabral Libi présente au niveau de la communauté internationale Atangani comme étant son pire ennemi, alors que c'est lui qui a quand même favorisé qu'il soit député, là, j'ai dit quand même il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi dans cette plateforme dont il parle, il nous présente maintenant un projet où quelqu'un serait élu et puis n'avait fait que 2 ans, ou 3 ans, ou 4 ans, peut-être pas, vous croyez, peut-être même 5 ans, 6 ans, 7 ans. La constitution du Cameroun, en l'état actuel, parle d'un mandat de 7 ans. Vous êtes à l'Assemblée nationale. Vous n'avez pas amené le débat là-bas.
pour qu'il y ait une possibilité d'une transition. Dans un état de droit, dès que quelqu'un est élu, vous allez lui dire que non, notre plateforme disait que 2, 3, 4 ans et tout. Vous me voyez, même ceux qui sont là actuellement. Il va dire non, la Constitution dit 7 ans. On a vu ça au Bénin. Avec Talon. Quand Talon venait, il disait que non, moi, je vais tout simplement faire ceci. Après, je laisse. Après, dès qu'il s'est assis comme ça, on lui dit c'est comment encore Talon? Il dit non, c'est la Constitution qui dit ceci. C'est la Constitution qui dit cela. Donc, ce qu'il dit n'est pas pratique. Parce que c'est anticonstitutionnel. Il faut d'abord changer la Constitution. Pour changer la Constitution, c'est à l'Assemblée. Mais Cabral, il est à l'Assemblée. Avec le PCRN. Ils sont partis à l'Assemblée justement pour changer des lois, pour faire des projets ou peut-être demander un référendum. Bref, c'est là-bas où on nous a dit que le changement interviendra. On ne va pas dire qu'on va d'abord faire ceci. Le code électoral n'a pas été changé. La justice n'est pas indépendante. Comment l'ATP va faire pour contrôler 34 000 bureaux de vote? Et puis on nous parle de Olivier Biné. C'est là où j'ai crié mieux valait que Cabral Libi dise que nous serons derrière Momo, Jean de Dieu, ou bien Bandakani. Voilà encore même des gens que voilà, qui eux aussi ils avaient les mêmes coalitions. Et tout le monde connaît comment ça s'est terminé. Olivier Billet, le professeur Olivier Billet. Ah, il pèse quoi? Parce qu'il faut d'abord regarder ce politicien qui n'arrive qu'à la veille de l'élection. Vous allez dire que nous allons peut-être nous mettre derrière Olivier Billet, qui n'a jamais eu 1% après une élection présidentielle. 1%, même pas. Donc, en fait, il court là-bas pour que ces gens-là soient peut-être derrière lui, parce qu'il ne va pas accepter d'être derrière quelqu'un. Il va donc parmi les faibles pour dire que, oh, maintenant, nous allons créer une coalition et puis voilà. Sauf que nous connaissons comment toutes ces alliances finissent. Le G20, eh bien, ça finit par dire, nous soutenons Paul Biya. Aujourd'hui, quand vous dites que vous allez faire une coalition ou vous allez refaire une élection à l'intérieur, mais vous allez interdire à Paul Biya de venir, surtout que vous parlez de la transition. Cette transition veut donc dire, Paul Biya reste là. Vous entrez dans le gouvernement. Et le Cameroun continue comme avant. Le G20, c'est ça, non? Ils sont entrés dans le gouvernement. Donc, ATP, là, c'est aussi dans le gouvernement. C'est bien de parler, d'être éloquent. Mais, parfois, je dis toujours aux gens, vous me dites, je suis dur envers Cabral. Mais non! C'est que je regarde ce que Cabral dit et ce qu'il fait. Et je trouve un fossé. Cabral Libi est parti du Cameroun pour le Sénégal. Il n'a été invité par personne. C'est lui-même qui est parti là-bas. C'était pour la prise de fonction du président Bassirou Diomaye Faye. Il arrive là-bas. Et après, il voit comment les gars ont pris le pouvoir. Mais il ne tire pas les conséquences. La seule chose que lui regarde, c'est l'âge. Il ne voit pas la méthode. La méthode. Comment est-ce que les gars ont réussi à déchouer le pouvoir? Et c'est là où je dis, tu ne peux pas dire aujourd'hui,
J'admire les Sénégalais. Les Camerounais doivent faire comme les Sénégalais et tout et tout. Mais tu ne vois pas ce que les dirigeants ou les opposants sénégalais ont fait. C'est-à-dire que celui qui était fort, Sonko, a vu que à cet instant, je dois jouer collectif. Mais comme le parti est fort, le PASTEF était fort, était en train de monter en puissance, d'autres sont venus se greffer au PASTEF. Alors que le PASTEF était déjà même interdit par le gouvernement, interdit par la justice. Mais comme les peuples sénégalais et surtout les opposants étaient convaincus que ces jeunes-là ne mangeaient pas sur la même table que Macky Sall, que ces jeunes-là ne voulaient pas être députés, que ces jeunes-là ne voulaient pas être ministres, jamais Sonko n'a proposé un gouvernement de transition. Jamais Fall n'a proposé un gouvernement de transition. Il a dit rupture. Vous partez au Sénégal. Les gars vous disent que nous avons gagné par la rupture. Nous avons dit, nous ne voulons plus de Macky Sall. Vous vous dites, non, on peut toujours continuer à travailler avec le régime Biala. Après, on peut peut-être faire ceci et cela. Après, avec Olivier Bilé, qui est bon professeur de Biala et tout ça. Bon, on peut quand même, avec les Elimbi Lobé, essayer de créer quelque chose avec les Mbandakani, avec les ceci et cela. Mais c'est quoi au juste? Vous écartez donc d'office le deuxième à l'élection présidentielle, c'est-à-dire Maurice Kamto. Et vous savez qu'il est un opposant qui a aussi fait la prison. Mais Paul Biya ne met pas n'importe qui en prison. Paul Biya ne met pas n'importe qui en prison. Le jour où Cabral va devenir gênant pour le régime, vous n'allez même plus voir ses pieds toucher le sol. Il sera en prison. Il sera en prison. C'est comme ça la dictature. Sonko, Fall, allez tous, Macky Sall les a balancés en prison parce qu'ils ne voulaient pas manger. Ça ne sert à rien de faire le théâtre. Oh, on me déteste, oh, on me veut ceci, oh, on veut ceci. Non! Il faut savoir qu'à un certain temps, on peut se cacher derrière d'autres personnes qui ont un peu de notoriété, qui ont déjà un peu de l'avance. On essaie de les pousser avant de se propulser soi-même. Sonko a été collectif. Il n'a pas dit que je m'en vais maintenant choisir ou bien un opposant qui ne valait rien. Non, non, non. Monsieur Libi, vous, dans votre fort intérieur, lorsque vous allez dire aux gens du PCRN que vous pouvez vous éclipser pour Olivier Bilé, vous-même, vous savez que ce n'est pas sérieux. Mais mieux vaut encore même dire que pour Frundi qui est mort, parce que Frundi, au moins, on va voter le cadavre de Frundi plus que Bilé. Bilé ne peut même pas passé premier, même là où il enseigne à l'Estique, il ne peut même pas être parmi les 10, les 15, les 100 même. C'est-à-dire que même les étudiants de là-bas ne peuvent pas le voter. Ses collègues ne peuvent pas le voter. Comment tu peux imaginer que les Camerounais peuvent voter Olivier Bilé? Juste parce que tu ne veux pas dire la vérité, que tu ne veux pas une véritable coalition. Et tu ne veux pas véritablement faire profil bas parce que tu t'es imaginé le nouveau Macron. Mais ça n'a pas marché. Macron, ça n'a pas marché. Aujourd'hui, ce qui marche, c'est ce qui parle de la rupture. Ce qui marche, c'est ceux qui sont capables de se sacrifier pour le peuple. Ce qui marche, c'est ceux qui ont faim et qui ont besoin de jouer sur la table des grands en expulsant les grands. Ce n'est pas cela qui, derrière, vont vous dire que non,
On laisse d'abord Biya encore pendant 5 ans, pendant 8 ans, et après, bon, on fait, après on va faire peut-être 3 ans, peut-être 5 ans, peut-être 8, peut-être même 6 ans, peut-être. Après, on va refaire les essais. Non, 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 non. Cher petit frère, ce n'est qu'une façon de dire qu'il y a des moments où on entre dans l'histoire. Maître Akere Mouna, j'ai toujours eu de l'admiration, du respect pour lui. Mais ne l'utilisez pas là-bas. Maître Akere Mouna, s'il voulait être premier ministre depuis fort longtemps, il aurait été. S'il voulait entrer dans le gouvernement, il aurait été. On a préféré prendre sa petite sœur parce qu'il avait ses valeurs. Que son père lui a inculqué. Son grand frère également, il était procureur au Rwanda pour le tribunal criminel, pour la Cour pénale internationale. C'est une famille de nobles. C'est une famille d'hommes humbles. C'est une famille de serviteurs. Sais-tu aurait été avec lui. Si tu l'admirais, tu aurais compris ce qu'il a joué. À la dernière minute, il voulait bien se présenter. Il avait déjà dépensé son argent. Il n'a même pas demandé de remboursement, même à Maurice Kamto. Il s'est aligné derrière Maurice Kamto. Parce qu'il a compris que c'est Maurice Kamto qui avait le vent en poupe. Maître Kere Mouna l'a compris. Il aurait pu aller en solo. Il pouvait dire que maintenant, c'est l'heure des anglophones. Il aurait pu jouer sur la carte, sa carte de visite. Ancien bâtonnier, ancien président de l'Association des avocats d'Afrique, ancien président de Transparency International, cadre au niveau du FMI, consultant à la Banque mondiale et de plusieurs chefs d'État. Et il avait tout pour être propulsé devant. Mais il s'est retiré en disant, Maurice Kamto va d'abord et puis ensuite on verra. C'est ça l'humilité. Et non chercher, parce qu'on sait aligner des mots et dire que, bon, devant tous ceux-là qui ont eu une certaine expérience, et encore que le Cameroun, c'est très, très difficile, et que cette transition que vous demandez, qui vous dit que ce ne sera donc pas l'armée? Si vous dites transition, vous savez ce qui va se passer? Cela veut dire que vous voulez juste laisser le pouvoir entre les mains de l'armée. L'armée ne vous laissera pas. En train de vous partager le gâteau. Oh, ici, je fais d'abord 3 ans. L'autre, après, c'est 4 ans. L'autre dit, oh non, non, c'est 5 ans. Ils vont vous regarder. La 2025, c'est ce que l'on appelle ça passe ou ça casse. Et ceux qui veulent jouer en solo, juste pour leurs beaux yeux, juste parce qu'ils rêvent de devenir les Sonko du quartier ou du village, comprendront que plus tard, exactement comme le RDPC, comme le SDF, la côte baisse, 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 jusqu'à ce que le thermomètre soit à zéro. Combien de politiciens a-t-on vu dans cette situation juste parce qu'ils voulaient être des acteurs du solo? Ils ont fini zéro en prenant le Zolo. Zolo. Zolo.
Je vais être bref pour le prochain sujet, parce qu'il commence à se faire tard et que je commence à avoir les intestins qui me font Martinez Zogo n'aura donc pas servi de leçon au Cameroun pour la protection des journalistes. Martinez Zogo n'aurait donc pas attiré l'attention de l'État du Cameroun sur la situation dangereuse des journalistes. Martinez Zogo n'aurait donc pas permis à l'État du Cameroun une introspection. Non. Dans le pays de la barbarie, on tue. Le journaliste est un ennemi public qu'il faut abattre parce qu'il lorgne quelque part et parce que il empêche aux gens de voler, de frauder. Et lorsqu'il est tué, lorsqu'il est assassiné de façon horrible, on cherche à nous servir une histoire cousue de fil blanc que malheureusement certains médias, sans même chercher à faire une véritable enquête, nous font avaler toute chose. Depuis un certain temps, depuis quelque temps, le Cameroun vit une autre situation d'horreur. Même dans des films de Dracula, dans des films de Hitchcock, on a vu encore diviser de cette façon. Enlevé le 6 avril 2024, la journaliste Louisette Boyebel a été retrouvé décapité, coupé en trois, jeté dans un quartier loin de là-bas, là où elle n'habitait même pas, à côté d'un ruisseau. Comme des morceaux de viande. La découverte du corps a été faite le 7 avril. Mais c'est seulement le 9 avril que le réseau des communicateurs auquel elle appartenait, le réseau des communicateurs sur le plan environnemental de l'Afrique centrale, a dénoncé une barbarie inouïe, un assassinat, des traitements inhumains comme on n'en a jamais vu. Le corps de Martinez Zogo était nu, mais il est entier. Mais le corps de Louisette Boyebel était divisé, scié.
l'horreur, la stupeur se répandait dans toute la ville, dans tout le pays et même à travers le monde au regard des images de cette femme qui a été transportée dans deux valises. Eh bien, immédiatement, on est venu nous donner une version que beaucoup ont rapidement avalée. D'autant plus que ce sont les forces de sécurité qui ont fait véhiculer cela. Je vais reprendre juste le message qui a circulé pour que nous puissions découvrir et l'analyser. BRQ spécial, BRQ, dans le jargon militaire, c'est bulletin de renseignement quotidien. GGT, Yaoundé, du 09-04-2024. Objet, activité, criminalité. HVRC, suite, enquête, vous savez, c'est un langage trop... Enquête ouverte. A, bar S, assassinat, dame, Ngoyebel, épouse Funga. Recherche ont permis. Interpellation, assassin, qui n'est autre que son fils, nommé Baté Yebel Landry. Secrétaire d'administration, récemment sorti, Enam. De ses déclarations sommaires, toutes les parties disputent entre lui et sa mère. Dans son domicile, 6 à Damas, non loin de l'EM, bar CIE, Yaoundé. 1. Qu'après avoir étouffé sa mère, il a sectionné à l'aide, si à métaux, dans douche, dite maison. Il a rangé les parties de sa mère dans deux valises et a ensuite sollicité appui de son ami Lonti Junior en fuite pour transport. Dite valise pour Étoile Métier. Il les a jetées dans un cours d'eau, non loin de la résidence familiale. L'assassin est en outre passé aux aveux de l'assassinat de sa grand-mère il y a de cela 3 mois. Perquisition et constatation par TIC SCRJ plutôt, en cours au domicile assassin. Le véhicule de la victime a été abandonné à soi, non loin de la brigade de gendarmerie de Séan. 2 téléphones de la victime retrouvés dans la broussaille. Aux environs, enquête en cours, PM, CE, Yaoundé 1. Et fin. Mesdames et messieurs, selon ce récit, voilà une jeune femme qui a été assassinée par le fruit de ses entrailles.
Bien évidemment, ça arrive. Bien évidemment, il arrive que les parents tuent leurs enfants. Bien évidemment, il arrive que les enfants tuent leurs parents. Mais il y a souvent ce qu'on appelle toujours dans le crime, le mobile. J'ai cherché de comprendre quels sont les mobiles de ce crime. Comment Landry Batek-Yebel a-t-il vu ce courage, ce cœur d'assassiner sa mère de cette façon, Louise Goyebel? On m'a donc dit, selon ce qui est écrit, qu'il était sous l'emprise des stupéfiants, soit. Et qu'il a tué sa grand-mère. La question qu'il faut d'abord se poser, cette femme disparaît le 6. Elle est enlevée. Elle est mariée. Où se trouve son mari? Personne ne vous parle de son mari. Comme s'il était mort. Comme s'il ne vivait pas dans la même maison. Et connaissant justement ce qui s'est passé pour Martinez Zogo, comment les forces de sécurité n'ont pas lancé l'alerte depuis le 6? Et le comble, c'est que c'est le 7 qu'on découvre le corps. Dans le lendemain, immédiatement, personne n'annonce. La CRTV qui venait de nous montrer comment un monsieur aurait eu à se donner la mort après avoir tué sa femme. La CRTV n'a pas été appelée pour le reportage d'un corps qui a été divisé par trois. Le 8, les services de sécurité du Cameroun ne communiquent pas. Le 9, ni la gendarmerie, ni la police, ni rien, ni personne ne communique. C'est plutôt un communiqué qui nous vient du Congo. C'est le Congo qui fait un communiqué pour un assassinat qui s'est passé à Yaoundé, sur le territoire camerounais. C'est le Congo qui donne l'alerte. C'est le réseau des communicateurs qui donne l'alerte. S'il n'y aurait pas eu cette alerte, vous et moi ne serions jamais informés. Ils allaient effacer ça. Ni vu, ni connu. Mais l'histoire qu'il vous raconte ne tient pas debout. Pourquoi? Parce que voilà une dame dont on dit qu'elle avait des problèmes avec son fils. J'ai des problèmes avec mon fils. Curieusement, je sais qu'elle a déjà assassiné la grand-mère, parce qu'on dit d'ailleurs qu'elle avait couvert. On ne sait pas comment est-ce qu'elle avait couvert. Mais si les gens de la famille disent aujourd'hui qu'elle a couvert ce crime, cela veut dire que les gens de la famille eux-mêmes aussi avaient couvert ce crime-là. Comment les gens de la famille n'étaient pas au courant également, ni son mari, que cette femme est portée disparue, que les journalistes, et qu'on ne la voit pas depuis le 6. Qu'elle a été enlevée. Puisque quand vous êtes enlevé, cela veut dire que il n'y a plus de téléphone, vous n'êtes pas joignable. Comment il n'a pas alerté
les collègues. Comment il n'a pas alerté la presse? Et puis, le lieu du crime. Pour tuer quelqu'un de cette façon, même Martinez Zogo, on est parti avec lui en bourse. Où l'a-t-on tué? On vous raconte que c'est dans les toilettes. Il n'y avait qu'une seule maison dans ce quartier-là. Jusqu'à ce que vous découpiez une femme avec une scie à métaux. Bon. Ce n'est pas embouché. Regardez le corps, comment il est sectionné. C'est un spécialiste. Et au-delà de ça, le corps est profané. Il faut donc avoir une haine terrible envers quelqu'un pour le faire. Ah, on nous dit que cette femme a protégé son fils. Son fils a tué la grand-mère. Donc, en réalité, sa mère et lui s'entendaient. Vous ne pouvez pas protéger quelqu'un. Et on vous dit que cette personne ne s'entendait pas avec vous. Mais c'est quoi ça? Elle n'a pas fait du mal à son fils. Puisqu'elle n'a jamais dénoncé son fils. Elle a plutôt protégé son fils. Et toutes les enquêtes que nous avons faites, jamais il n'avait insulté sa mère. Jamais il ne se plaignait de sa mère, dans son entourage ou dans la famille. Comment se peut-il que, parce qu'il a pris des stupéfiants, personne n'a fait. On ne vous a pas présenté les relevés de son sang pour dire les stupéfiants. Combien de gens prennent des stupéfiants? Tous ces jeunes, la quasi-totalité, ils prennent des stupéfiants, ils dorment là et puis et tout. Stupéfiant, il n'a pas appris à prendre ça là. Quelqu'un qui est sous l'emprise des stupéfiants ne va pas seulement tuer sa maman. Cela veut dire qu'il avait déjà une violence, il avait déjà tué d'autres personnes, pas seulement dans sa famille. Des stupéfiants. Et vous savez que quand votre fils est donc sous l'emprise des stupéfiants, il est dangereux. Comment vous pouvez vous retrouver dans la maison avec lui, chez lui? Bon. Passons. On vous cache beaucoup de choses. On vous cache beaucoup de choses. L'histoire de cette dame est juste un crime d'un réseau de trafiquants de bois au Cameroun. Et d'ailleurs, prenez juste une seule chose. Elle travaillait où? Au Comifac. Commission des forêts d'Afrique centrale. Au confinement. Et cette structure, en tant que journaliste, parce qu'avant d'y être, elle a été à Isakam, dans les ressources humaines. C'était une dame d'une intégrité, d'une moralité complètement incorruptible. Et d'ailleurs, l'actuel directeur d'Isaka était son collègue lorsqu'elle était là-bas, parce qu'elle dénonçait déjà tous leurs détournements, tous leurs petits plans. Elle n'entrait pas dans le faux. L'actuel directeur d'Isaka, qui est capable de ramasser la poubelle là, avait tout fait pour se débarrasser d'elle. C'est comme ça qu'elle a quitté de là-bas. Mais
non seulement journaliste, mais aussi elle avait des spécialités de management. Au regard de sa probité morale, que ce soit les Américains ou encore les Européens, les ONG lui faisaient confiance pour lutter contre le trafic du bois au Cameroun. Parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, le Cameroun bénéficie des financements de 40 milliards de l'Union européenne pour éviter la coupe sauvage des bois. Et dans cette coupe sauvage des bois, on a mis à peu près ce qu'on appelle les ONG qui peuvent surveiller ça. Parce qu'on a acculé l'État du Cameroun de respecter la réglementation. Paul Biya, depuis 2011, fait semblant, depuis 2007 plutôt, il fait semblant de vouloir réglementer le secteur du bois au Cameroun, mais n'y parvient pas ou refuse de le faire, puisque même les projets de loi qui ont été votés à l'Assemblée nationale, depuis 2007, puis 2011, c'est parti à la présidence, c'est revenu, c'est reparti et c'est revenu encore en 2018. Paul Biya n'a jamais signé. Pourquoi? Parce que Franck Biya est dans le trafic du bois. Parce que Mvonda Sam est dans le trafic du bois. Et ils obtiennent ce qu'on appelle donc des permis de coupe. Ces permis de coupe, ils font la sous-traitance avec des firmes étrangères. Et ces firmes étrangères, donc des ONG américaines, ont eu à les dénoncer parce que le trafic de bois est plus dangereux actuellement au monde que le trafic de la drogue. Et ça rapporte beaucoup, énormément. Et surtout qu'en Afrique de l'Ouest, on les a bloqués là-bas. Et aujourd'hui, le plus grand trafic du bois au monde se passe en Afrique centrale et plus particulièrement au bassin du Congo. Et tout ceci sous la supervision de l'État du Cameroun. Ngoyebel, lui, était donc celle à qui, dans des rapports, était consultée. C'était celle-là qui pilotait et qui mettait les noms de ceux qui étaient impliqués. Parce que l'État du Cameroun avait fait semblant que pour soi-disant éviter le trafic du bois, non seulement on va cacheter, mais en plus de ça, on va créer des brigades mixtes. Donc, par exemple, jusqu'au port de Douala ou le port de Kribi, eh bien, il y a 10 contrôles. Mais sur ces 10 contrôles, les bois, les essences rares, même les bois qu'on ne doit pas couper, eh bien, et il y a les généraux dedans, et il y a les commissaires dedans, et il y a la famille présidentielle dedans. L'État du Cameroun accorde donc ce qu'on appelle des permis de 3 ans. Mais ce permis, c'est sur 2500 hectares. Mais qu'est-ce qui se passe? Derrière ça, ce sont les Vietnamiens et les Chinois. Donc, on fait semblant d'accorder des permis à des Camerounais. Mais derrière ça, il y a des Vietnamiens et il y a des Chinois. 70% du bois du Cameroun, frauduleusement coupé, va en Chine. Et puis, l'autre partie, c'est au Vietnam, pour construire des temples. C'est-à-dire qu'à peu près vers les 20%, 10%, ce n'est que 10% qui vont en Europe. Et là-bas donc, dans ces consoles, on a ces gens qui arrivent, qui font le contrôle du contrôle. Et cette femme, dans le premier rapport, pendant que les autres lui proposaient de l'argent, de ne pas s'attaquer à tel ou tel domaine,
à tel ou tel baron. Eh bien, elle, elle disait, dans les rapports, ce qu'elle voyait, ce qu'elle entendait, ce qu'elle vivait, et tout, elle était donc l'ennemi à abattre. Ngoyembe Luizette était dans leur, comme Martinez Zogo. C'était leur Martinez Zogo. À Hala, non loin de sa maison, se trouve un colonel, son ennemi intime, qui fait dans le bois, qui avait déjà dit que tu verras. L'assassinat de cette femme est un crime organisé. Parce qu'on tue maintenant dans le trafic de bois, plus que dans le trafic de drogue. Et le Cameroun est devenu le centre du monde de ce trafic. Posez-vous des questions. Quelqu'un sort de l'ENAM. Il va faire quoi avec la scie à métaux? Il fait quoi avec la scie? La scie qui coupe le bois. On a segmenté cette femme avec les instruments qu'elle dénonce. Les scies. On l'a sciée. C'est un symbole. Comme exactement les hommes-là voulaient prouver aux journalistes que vous qui parlez de moi, vous serez abattu nu comme ça. C'est un message qu'on passait. C'est un message pour tous ceux-là qui veulent mettre ce réseau à mal. Parce que ce réseau, c'est uniquement au ministère des Forêts, qu'on dit déjà le ministère le plus dangereux du Cameroun. Et au-delà de ça, les hauts cadres de l'armée, 80% sont dans le bois. 70% de commissaires au Cameroun sont dans le bois. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est l'ONG américaine, Environmental ou bien Agency. Ce sont leurs statistiques. Dans sa bonne foi, parce que se disait que le Cameroun y perd des centaines et des milliers de milliards et aussi de la notoriété. Elle devait donc être protégée par l'État. Or, elle était devenue ennemie d'État. On l'a segmentée, découpée avec la scie du bois. Et on dit rapidement, c'est son fils. J'admets tout. Mesdames et messieurs, vous avez vu son fils? Vous avez vu le PV? À quel moment est-il passé aux aveux? A-t-il été assisté par un avocat? Jusqu'à raconter déjà que c'est lui qui a tué sa grand-mère. Hé! Hey! J'ai dit, hein? Il était sous l'effet des stupéfiants, 3 jours après l'assassinat de sa maman, jusqu'à aller rappeler que c'est lui qui a tué sa grand-mère. Et on nous dit que l'autre a pris fuite. Mais vous avez déjà réussi à tuer votre mère. Soyons sérieux. Vous l'avez placé dans les valises, comme des morceaux de ceci et cela. Vous connaissez conduire. Curieusement, tout le monde sait toujours direction soi. Est-ce qu'il avait besoin d'appeler un témoin qui devrait prendre fuite? Son ami. Il avait besoin. Mais quelqu'un qui est sous l'effet des stupéfiants, tu appelles quelqu'un, oh j'ai tué ma maman, j'ai rien découpé, lui aussi, il part. C'est-à-dire qu'on parle des intellectuels. Hein? Sauf si on me fait comprendre maintenant qu'à l'ENAM, c'est uniquement des abrutis, des fous. Peut-être comme les juniors aussi, ils ont fait l'ENAM. Peut-être on prend des harcèlements, la même blinde a fait les noms.
peut-être qu'on prend déjà à l'énorme des fous, des psychopathes. Vous croyez en ça? Que monsieur s'est levé, il a fumé, fini de fumer le tard, que tout le monde fume là. Quelqu'un est sorti de l'énorme en fumant le tard. Et n'oubliez pas ses cours. Subitement là, sa maman qui vient de le protéger, qui a fait que, comme il a été fait, c'est un enfant hors mariage. Il a tout fait, elle a tout fait à son fils. Jusqu'à faire que son fils entre à l'énorme. Elle lui a tout donné. Elle a même imposé son fils dans la maison du père, de son mari. J'aurais compris s'il aurait assassiné son beau-père, parce que son beau-père ne voulait pas de lui. Dit-on. Mais non, il a assassiné sa mère, qui l'aimait tant, qui la couvrait tant. Mais l'immobile, et non, ce qui est le stupéfiant, l'effet de stupéfiant. Nous avons la mémoire courte. Et ce gouvernement d'assassins a toujours couvert ses crimes de la même façon. On vous présente, dès que le gouvernement là vous présente déjà quelqu'un de l'entourage que directement là, sachez que c'est bien faux. En 83, Paul Biya venait d'arriver à peine au pouvoir. Mais vous connaissez les crimes qu'il y a eu. Est-ce que vous vous souvenez de l'assassinat des sœurs de Doum, Marie Léon, et l'autre mari, lui, c'était deux sœurs religieuses. Elles ont été assassinées, violées, jetées dans la broussaille. Le lendemain, la police et la gendarmerie camerounaise avaient déjà réussi à trouver le motif, le mobile de l'assassinat jusqu'à arrêter. Ils avaient présenté qui au peuple camerounais? Le jardinier. Comment le jardinier a fait pour assassiner deux sœurs religieuses? Violer deux sœurs à la fois? Les porter lui seul? Aller jeter dans les broussailles? Les violer? Profaner les corps. Il n'avait jamais tué. On a commencé à dire que c'était sur les faits des stupéfiants. Après, non, les gens ont dit non, il n'a même jamais pris de stupéfiants. Il ne boit pas, il ne fume pas. Après, ils ont changé. Ils ont dit que il semblait qu'il ne s'entendait pas trop bien avec les soeurs. Ils ont dit mais non, il s'entendait plutôt trop bien avec les soeurs. On a tourné l'affaire comme ça jusqu'à ce que. Après avoir présenté le gars partout, les médias ont on a trouvé le grand bourreau. L'affaire s'est tassée. Quand c'est passé, on ne sait pas là où ils ont mis le gars. Ils l'ont libéré. Quand ils sont dans ce pétrin pour calmer les populations, même il vous colle l'assassinat. Il colle l'assassinat à quelqu'un qui est proche de la famille. Sauf que celui-là, il ne peut pas parler. Personne ne va l'assister. Ils peuvent inventer tout ce qu'ils veulent et vous allez seulement digérer. Ils vont prendre quelques mendiants aussi dans la famille là, en disant que toi, voilà, et tout. Tu sais, si tu vas ailleurs, on va vous faire et tout. Toi aussi, tu vas seulement raconter la même version. Mais cette version ne tient pas. Je vais vous dire pourquoi encore. Vous avez suivi. Beaucoup étaient encore trop jeunes. Mais je sais qu'il y a des adultes là. En 92,
l'assassinat d'un évêque. Ça, j'ai déjà laissé le côté des sœurs religieuses. Où on a fait faire le bruit et finalement, le gars n'avait jamais assassiné les sœurs religieuses. Mais on nous avait dit qu'il était passé aux aveugles, qu'il avait fait ceci, que c'était faux. En beaucoup. On a découvert le 2 août 1992. Ça, c'est un jour que je ne peux pas oublier. Le corps de tout un évêque. Ce n'est pas Monseigneur Bala que vous venez de voir là. Tout un évêque. On l'appelait Jean Kounou. Assassiné avec un autre prêtre. Ce prêtre-là, on l'appelait Jean Materne Bikoua. L'assassinat odieux. En plein dans le sang, odieux, c'est terrible. Pourquoi? Parce que non seulement ils vont subir les mêmes sévices, mais on va percer leurs yeux avec le tournevis. Une affaire n'a jamais créé autant de scandale au Cameroun avant l'affaire Martinez-Zoua. Le même jour, la CRTV nous annonce qu'on a déjà arrêté l'assassin qui est passé aux aveux. Son nom, Emara Ebanda. Profession, cuisinier de Monseigneur. Vous voyez les sœurs là-bas, c'était qui? C'était le jardinier. Là, c'est le cuisinier. Je reste, je m'interroge. Toute la presse fait ça. À cette époque, je commençais déjà à faire des papiers avec International News Biebdo de Ayaka. Je ne peux pas aller en bas de maillot parce qu'immédiatement, on va annoncer que on a déjà démantelé tout le réseau. Un a été pris en Kondongo. Monté, photo jeunesse. Et après, on cite le nom. On dit, il s'appelle Mokongo. Mais Mokongo. Attends. Photo jeunesse. Je connais Mokongo à Photo Jeunesse. Puisque j'étais en même temps directeur artistique des éditions, ça bref. Et Mokongo est de mon village. Je sais que c'est un voleur à la tire. Mais subitement, on vient. On annonce qu'on l'a arrêté, que c'est le chef de gang et tout. J'arrive en Kondongo. Et on me dit qu'on l'a trouvé en train de dormir chez lui. Que c'est là où on l'a arrêté. Ça passe. Mais sauf que les versions qu'on va nous donner et que la presse a fait gommer à tout le peuple camerounais parce que c'est la police et la gendarmerie qui montent cette histoire pour dire que bon, le mobile du crime, c'est que pour Emeran Ebanda, après avoir assassiné tout un évêque avec le prêtre, c'était pour aller voler 45 000 francs CFA. 45 000 francs CFA qui étaient posés sur sa table. Alors qu'il est cuisinier dans cette maison-là. Après, on dit que
c'est lui. C'est que juste à côté des cadavres là, au niveau de la porte, de l'entrée de la porte, il a oublié sa carte d'identité. Nous, Camerounais, nous avons cru en ça. Donc, quelqu'un va tuer quelqu'un. Il part d'abord avec ses pièces d'identité. Et sa pièce d'identité, il dépose là, comme voici ici. Par la suite, ils nous disent qu'il est passé aux aveux, qu'ils sont tous passés aux aveux. Et que la preuve la plus tangible, c'est que on a fait de Mbokoulou, là où l'assassinat s'est passé, à la résidence, là où souvent, parfois, elle partait dormir, on a fait une perquisition. Comme on vous a annoncé, perquisition là. Et là-bas, ils ont trouvé le pantalon avec beaucoup de sang. C'est la preuve. J'ai encore rigolé. J'ai dit à Yata, chef, cette histoire me semble trop grossière. Mais quelqu'un, vous avez un pantalon avec du sang, c'est-à-dire que vous ne pouvez plus le porter. Mais vous le jetez dans le WC. Qu'est-ce que vous avez à venir garder ça chez vous? Vous avez rien laissé. Votre pièce d'identité juste à côté du cadavre des gens que vous avez assassinés pour 45 000 francs. 45 000 francs, c'est pas. Jusqu'à percer les yeux avec le tournevis. J'ai dit ok. Ça passe comme ça. Et puis j'apprends qu'il y a reconstitution des faits. Que c'est le procureur du tribunal de grande instance de Mbalmayo qui a demandé la reconstitution des faits. Je descends en Mbalmayo. J'arrive, il y avait 10 camions de gendarmerie. 10 camions de gendarmerie. Pour la reconstitution des faits, je vais constater d'abord que aucun d'entre eux ne parvient à marcher. Ils sont encerclés. Mais on vient avec un haut-parleur pour que les gars parlent. Qui est ici? C'est là où je vois le gars de Emaran et Banda trembler comme ça en me disant oui, c'est moi. Dans la nuit, le peuple veut déjà les assassiner. Et on fait semblant de les protéger. Oui, j'ai pris le fusil et je lui ai donné 4 coups de crosse sur la tête. D'où sortait le fusil? Il n'a jamais eu de fusil, lui. Il a donné 4 coups de fusil. De 4 coups sur la tête. Et puis, le tournevis. C'était une histoire décousue. Il tremblait. J'ai senti quand même cette histoire. Je vois mon Congo. Plutôt. Le gars de mon village. Je le vois, il a enchaîné. Il ne parvient même pas à parler. On les met à la prison de Mbalmayo. Et puis, ils sont transférés 6 mois après à la prison centrale de Kondeni. Un an et demi après, on nous annonce que tous sont déjà morts. Et d'ailleurs, même la famille de Monseigneur Kounou, il passe les interviews en disant que lui, on nous a dit que celui qui jouait le guet à peine qui a eu 25 ans là, c'est lui que, voilà, il y a l'église qui a demandé qu'on pardonne et qu'il soit seulement condamné à vie et non condamné à mort. Parce qu'on les a condamnés à mort. Hein. Personne ne parlait. Ils n'avaient pas d'amour. Rien. Après, ils disent que celui-là, il est mort. Il est devenu fou. Tous, ils mangeaient les peaux, ils mangeaient leurs excréments et tout ça, tous sont déjà morts. Moi, j'ai dit, l'affaire est bouclée. Bon, voilà, c'est un mystère, c'est Dieu qui a voulu montrer. Me voici qui suis arrêté. Pour Kondeni. J'arrive donc à la prison. On m'envoie au Kosovo. Le lendemain que je vois me Banga, me Congo plutôt,
Mokongo, comme disait chef de gang, qui est devenu fou, qui est mort. C'est lui parce qu'il a entendu que son, voilà, son petit cousin est là. Il vient. Je le vois avec la barbe là. Je dis, mais grand, on sait comment. Je dis, mais j'ai appris que tu es mort. Il dit, quelle mort? Je ne suis jamais mort. Je dis, mais l'histoire que nous, on a écrit là. Il dit, non. Mokongo avait sa Bible en main. Il dit, grand, mon petit frère, je ne peux pas te mentir. Il faut que tu écrives sur cette histoire quand tu vas partir. Il dit, je ne connais ni les prêtres, ni ces gens. On est venu m'arrêter chez moi, en Kondongo. Moi, le seul endroit où j'avais braqué, c'était à Photo Jeunesse. Moi, je volais dans les trous de Kondongo. Tout le monde me connaît là-bas. Et d'ailleurs, quand ils viennent me trouver, je suis avec une fille de Tambafia. Ils me prennent. Je ne comprends rien. Quand on arrive là-bas, on me dit que nous, on s'achauffe. Il faut qu'on joue le jeu. On doit accepter que c'est nous qui avons tué. Je dis, quoi? Qu'on a tué les prêtres? Quel prêtre? On me montre les émarants. Il dit, je ne les ai jamais vus, mon petit frère. Je ne les ai jamais vus. On vous dit, si vous ne le faites pas, on vous abat. Il dit, voilà. Que la torture qu'on a connue, c'était incroyable. Et ils nous mettent dans des camions. Ils nous amènent en Balmayo. Je n'avais pas été à Balmayo depuis au moins 7 ans. Je me retrouve en train de tourner des films. Or, quel film je devais tourner dans une histoire que je ne connais pas? Il dit, mais les autres qu'on disait qu'ils mangeaient les caca. Il dit, non. On a pris deux ici. On est parti avec eux pour un transfert à Yoko, dans la prison de Yoko. Là, on les maltraite là-bas. Ils ne peuvent pas sortir. Que parce que nous sommes ici. Comme ça, on nous a dit que ils sont partis, le petit qu'on a dit là, d'aller dire que le cuisinier, il ne savait du tout rien. Il passait le temps à pleurer ici. C'est pour ça qu'on l'a enlevé pour l'envoyer à Yoko. Dans la prison de Yoko. Je suis sorti de prison. J'ai laissé mon Congo vivant. Pourtant, le gouvernement camerounais, la presse a fait croire à l'opinion nationale que ces gens-là sont devenus fous. Je suis sûr que beaucoup d'entre vous, vous connaissez cette histoire. Que les gens qui ont tué les prêtres à Balmayo étaient fous. Or, c'est un crime d'État. C'est un crime d'État. Comme là, c'est un crime d'État. Comme ils ont voulu faire avec Martinez Zogo. La famille présidentielle est impliquée dans le trafic du bois. Et elle avait déjà tellement renié d'être parce qu'il s'était retiré. Certains, comme je vous ai dit, faisaient déjà la sous-traitance. Mais les ONG ont tellement eu confiance en cette fille parce qu'elle était crédible. Parce que elle pouvait relater les faits sur le bois. Parce que tu vois, vous voyez, excusez-moi, vous voyez le trafic de bois au Cameroun. C'est fait à dessein dans la nuit. Entre 22h et 4h du matin. C'est là où le gouvernement des bandits là a autorisé aux groomiers de rouler. Les gens, ils se disent que non, c'est pour faire ceci par rapport à la circulation. Mais en réalité, c'est parce que pendant la nuit, là, certains prennent les petites pistes. Et puis, dans la nuit, allez, ils envoient ce qu'on appelle les plaques par WhatsApp à tous les contrôles. Dès que quelqu'un voit comme ça, allez, tu lui donnes
c'est 500 000, c'est 100 000, c'est ceci et cela. Et même machin, tout ça, si on, sauf si on te prend, c'est là où tu donnes 500 000 ou 1 million. Et là, ce sont les gens du régime, dont d'abord la famille présidentielle. Et on attendait un nouveau rapport qui devait sortir en novembre. Le rapport était déjà trop près, avec des essences. La coupe où on vous dit qu'au Cameroun, au lieu de couper sur telle superficie, vous devez tout simplement avoir tel nombre de mètres cubes. Vous devez respecter le diamètre du bois qui est de 40. Vous devez respecter ceci. Au Cameroun, ce n'est pas respecté. Et cette fille était devenue leur épine à leurs pieds. Ça veut donc que toutes les ONG et tous ceux-là qui sont en train de vouloir les empêcher de continuer le trafic du bois, eh bien, ils ne pourront plus parce qu'ils ont voulu. Mais celui-là, quand vous dites, oh, c'est lui, là, mais vous allez le voir quand? Où? On lui dicte ce qu'il doit dire. On va aussi partir prendre quelqu'un là, on va dire que oh, tu étais son ami, machin. Mais soyons sérieux. Soyons sérieux. Vous avez caché un assassinat odieux. Puis un communiqué vient du Congo. Vous aviez un cadavre qui était là. Vous l'avez caché. Subitement, vous réussissez à retrouver immédiatement comment la femme a été tuée. L'autre avait déjà tué il y a combien de temps? Mais attendez. Les assassins du Cameroun, là, ou même les voleurs, vous-même vous connaissez. On attrape un voleur même à Mokolo, Camerounais là. D'ailleurs, on part avec en exploitation. Où? Au sein, au sous-sol, ou bien à la PJ. La nuit, on te fait le méchoui. Et jusque-là, le voleur n'accepte pas. C'est-à-dire que comme un mouton à la braise, on t'attache les bras là, on t'attache les pieds de l'autre côté, tu es nu, on te fouette. Mais jusque-là, les bandits n'acceptent pas. Ils passent là-bas des mois avant d'accepter. Mais comment celui-ci, en une seconde, oh yo, j'ai dit accepter. Qui était là? Quel avocat l'a assisté? Même si on est le pire des assassins, on a le droit d'être assisté par un avocat. C'est cet avocat qui doit nous expliquer devant les médias. Sauf que dans les jours qui viennent, comme je viens de parler là, ils vont me sortir un avocat qu'ils vont me convaincre, ils vont me dire que bon, va dire aussi ceci et cela, surtout que le petit. On va lui dire que, mais attends, si tu n'avoues pas, on te coupe ça. Après, on te tue. Et puis c'est terminé. Tu crois que quoi? Puisque les Camerounais seront d'ailleurs très contents. Puisqu'on leur a vendu une histoire. Les Camerounais vont seulement dire que bien fait pour lui. Hey, hey, il a tué sa maman. Et bien fait pour lui. Mais aucune question que pourquoi elle a fait. Pourquoi? Et tu prends la peine de scier. Tu es parti acheter une machine pour venir découper ta maman. Mesdames et messieurs, merci de m'avoir écouté. À samedi, 19h, heure de Paris, 18h, heure du Cameroun.